Comme suit, les trois colonnes dans le ministère de la parole. Les trois colonnes dans le ministère de la parole. Les trois colonnes dans le ministère de la parole. Il y a trois colonnes qui sont dans le ministère de la parole. Est-ce que vous comprenez? Trois colonnes dans le ministère de la parole. Les trois colonnes dans le ministère de la parole. Gloire à Jésus. Donc dans le ministère de la parole, il y a plusieurs éléments. Aujourd'hui, nous avions, c'était l'introduction, la généralité, l'historique, tout. Vous avez reçu assez d'éléments aujourd'hui matin concernant le ministère de la parole. Maintenant, c'est les trois colonnes dans le ministère de la parole. C'est les choses qui vont vous aider, qui vont aider même l'Église. Gloire à Jésus. Allons-y dans le livre de dans le livre de Timothée. Voilà. 1 Timothée 3, le verset 15. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Gloire à Jésus. Amen. Nous devons savoir comment nous conduire dans la maison du Dieu vivant. L'église, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Donc mettez une seule colonne. Vous connaissez la colonne, c'est comme un pilier qui soutient la base. La base est la hauteur d'une maison. Ou bien d'un édifice. Voilà. Ici, c'est la fondation, la base. Ici, c'est la colonne. Voilà. Donc, ici, on peut mettre. On dit quoi? L'église du Dieu vivant qui est. La colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Donc ici, nous mettons la vérité. La vérité. Ou bien Jésus. On peut mettre Jésus. Voilà, c'est mieux. Jésus. 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 Ouais, Jésus est la fondation de l'Église. Et il est aussi la hauteur de l'église, celui qui est au ciel. Donc il est en haut, ça dit, il gouverne depuis le ciel. Donc, mais aussi l'église est fondée sous, ça dit, un fondement solide. Et Jésus encore à ce fondement. Donc l'église est une colonne, c'est la colonne. Voilà. C'est comme on voit les piliers. Vous comprenez les piliers, voilà, voilà l'exemple. Venez voir. Voilà. C'est ça. Ça, c'est la colonne. Voilà la base. Jésus est là. Et Jésus est encore là. Au sommet, il est au sommet. Et il est aussi à l'origine. Donc ici, c'est l'origine. L'origine. Origine. Origine. Sommet. Sommet. Hauteur. Hauteur ou base, etc. Vous comprenez déjà? Oui. Voilà. Et on dit que l'église est la colonne. Voici l'église. L'église. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc ça montre quoi? Jésus est la vérité. Donc, vérité. Voici la vérité. Non, je vous laisse continuer. Vérité ici. Et vérité.
Ici aussi, vérité. Même chose. Pardon. Voilà. Vérité. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, si on enlève, où est Jésus ici, non? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous mettez Jean 4, 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Nous sommes en train d'aller pas à pas. Ou bien on envoie le tableau ici. C'est bon? C'est bon. Ok. Reprenez le verset. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ici, mettez la maison de Dieu, l'édifice, mais tout ça. Mettez, oh non, c'est bon, c'est bon. C'est l'édifice en quelque sorte. Donc, ça, c'est la base. Ça, c'est le sommet. C'est-à-dire, ou bien la route. C'est la route, non? Oui. La route. Voilà. La route et la base. Voilà. Gloire à Jésus. Alléluia. Cela en train de nous montrer comment l'église est. Ça, c'est le schéma invisible de l'église. Voilà le corps de Christ en réalité. C'est que l'image du corps de Christ. Alors, on dit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, voilà la colonne qui appuie la vérité. Qui appuie la vérité au sommet. Vous voyez. Voilà. C'est la colonne qui appuie, qui maintient, c'est-à-dire qui montre qu'il y a un édifice. Sinon, la hauteur et la base ne peuvent pas être liées sans la colonne. Et aussi ici. Donc l'Église maintient la vérité. L'Église est d'abord l'appui de la vérité ici. L'Église est l'appui dans la base et maintient l'appui et le maintien. Oui. La colonne est l'appui de la vérité. La colonne est l'appui de la vérité. Mmh. Ça, c'est la colonne. L'appui. Donc, la colonne appuie et maintient la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus. Oui. Ce qui veut dire que sur terre, dans le règne du Saint-Esprit, aujourd'hui, Dieu ne fait rien sans l'Église. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne fait rien aujourd'hui sur terre pour concrétiser sa volonté parmi les hommes. Il ne fait pas ça à l'église. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il ne fait rien sans l'église. Je sais qu'il est capable de faire tout. Mais la dispensation dans laquelle nous sommes est la dispensation où l'église a été choisie, précieuse de Dieu, pour exercer la volonté du Seigneur sur la terre. Ce qui veut dire que, quoique Jésus soit la base de toute vie chrétienne, quoique Jésus soit le sommet ou la hauteur de toute vie chrétienne, quoique Jésus soit le centre, non, Jésus soit le, comment dire, la raison d'être de toute chose, sans l'Église sur la terre, il serait difficile que le Saint-Esprit opère, manifeste sa puissance. Il fera, parce qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il fera sans l'Église. Mais s'il le fait sans l'Église, ça veut dire qu'il est mort à la croix en vain, que Jésus est mort à la croix en vain. Par le sang, mort à la croix est le début de l'ère de la grâce et aussi l'instauration de l'Église, qui est le peuple élu. Donc, si on enlève l'Église, la hauteur, est-ce que la hauteur sera maintenue? Non. Est-ce que la base aura un appui? Est-ce que même la colonne, d'abord, même si on considère comme un ballon, la hauteur, si on enlève la colonne, le ballon va tomber. Voilà, ce qui vous dit que Dieu est Dieu, oui. Jésus-Christ est Dieu, oui. Mais sans l'Église, il ne peut pas exercer. C'est-à-dire, il peut le faire, je le dis, voici l'omnipotent. Mais dans son projet lié à la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes, il ne peut pas opérer sans l'Église. Parce que c'est l'Église qui est la révélation des fils de Dieu. C'est l'Église qui exerce l'œuvre de Dieu dans le monde et sur la terre. C'est compris? Oui. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà la colonne et l'appui de la vérité. L'appui de la vérité, l'appui de la vérité. La colonne qui maintient la vérité. Qui maintient la vérité, qui...
est en haut et la vérité qui est en bas. Ça montre quoi? Pour que l'évangile soit prêché sur la terre là. L'évangile c'est la vérité, non? Oui. Jésus est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Pour que l'évangile soit prêché sur la terre, il faut avoir une colonne. C'est comme une échelle. La vérité quittera le sommet, le ciel, les hauteurs, est venue comme l'onction, comme une connaissance qui vient du ciel et jaillit sur l'église. Et l'église recevra cette vérité. Et l'église est sur le fondement qui est le roc, qui est Jésus. Mais l'église reçoit la vérité du ciel et manifeste cela sur la terre. Ce qui me dit que Dieu ne. Pour que l'évangile soit annoncé par tout le monde là, tu as besoin d'un peuple, tu as besoin de l'église qui est la colonne et la Bible, Dieu, la vérité. Acclame Jésus-Christ, mes amis. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons comprendre maintenant. Voilà la vérité. Donc, ce qui veut dire que l'église a connu la vérité qui est Jésus. L'église est affranchie par la vérité. L'église marche selon la vérité. L'église est appelée à défendre la vérité. L'église est appelée à répandre l'évangile de la vérité. Gloire à Jésus. Alléluia. Dans le monde et en son sein, l'évangile doit être annoncé quant aux païens qui, ou bien quant au peuple n'ayant pas encore connu Jésus. Et aussi, l'évangile doit être annoncé aussi aux croyants qui sont dans l'église. Ça, c'est l'évangile. L'évangile a sa valeur. L'évangile est annoncé aux païens quant aux chrétiens. Vous comprenez? Oui. Parce que l'évangile est, c'est-à-dire, c'est la bonne nouvelle de la bonne nouvelle du royaume. Quand nous avons Apocalypse, la Bible dit que un ange vient du ciel et garde une bonne nouvelle qu'on appelle l'évangile éternel. Et cet évangile éternel a été révélé depuis le ciel. C'est ça le pain de vie que Dieu a donné aux hommes pour sauver les hommes. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, l'église est l'appui et la colonne de la vérité. Voilà, nous sommes des colonnes. L'église est une colonne. Et de la même manière que, autant d'Israël, autant que les enfants d'Israël traversaient le désert, même en ce temps, même dans leur temps de traverser la mer Rouge, et pour aller vers le Canaan, il y avait une colonne de feu qui les conduisait. Cela veut dire que nous sommes, l'église est une colonne de feu. Or, le feu, nous connaissons très bien que le feu, c'est la lumière. Or, la lumière, c'est la parole. Et la parole, cette lumière, c'est l'évangile de la bonne nouvelle. C'est pourquoi le Seigneur dit quelque part, les nations marcheront à ta lumière. Parce que nous sommes la colonne. La colonne, c'est une lumière. Vous voyez, quand on allume le feu, là, le feu se dirige vers où? Le feu commence par le bas pour se diriger vers le haut. Donc, nous sommes la colonne de feu. L'église est une colonne de feu. En réalité, ce feu n'est pas un feu qui détruit, qui consume, mais c'est un feu qui répand une lumière. C'est ça, la colonne et la paix de la vérité. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc, c'est ça, la colonne et la paix de la vérité. Maintenant, combien sont ces colonnes? Parce que l'église est la colonne la plus de la vérité, oui. Mais comment se manifeste le maintien de la vérité? On dit que l'église est l'appui de la vérité. Comment l'église peut être l'appui de la vérité? Par quoi? Par quelle manière l'église qui est une colonne peut être l'appui de la vérité? Il y a différents types de manières. Mais en réalité, c'est chaque type de ces manières qui montre, qui démontre que l'église est l'appui et la colonne de vérité. Ces différentes manières, en réalité, sont, c'est-à-dire des éléments clés ou bien des notions qui sont liées au ministère de la parole. Parce que la parole est la vérité. La parole est la vérité. Si l'église est la colonne de la parole qui est la vérité, cela veut dire que il y a des éléments de la parole qui servent à répandre la lumière. Qui est l'église? Quelle est?
Est-ce que vous comprenez? C'est bien? C'est clair? Gloire à Jésus. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons comprendre ces trois couleurs. Donc, faites trois colonnes. L'église est une seule colonne. Mais ces trois colonnes, en ces trois colonnes, parce que c'est la nature, ça. La nature. Mais il y a des fonctions. Ou bien c'est l'élément, comment on peut dire, l'élément principal. L'église est l'élément principal qui maintient la vérité, qui est l'appui de la vérité, qui est la lumière. Mais pas quels sont les éléments qui contribuent à la manifestation de la lumière de l'église. Quels sont les éléments ou bien les attributs, les caractéristiques des colons qui contribuent au maintien de la vérité? En réalité, ici, quand on dit que l'église est la colonne et la plus de la vérité, c'est une figure de style. On peut dire que ici, nous pouvons voir comme la métaphore, ou bien comme une figure de style. En réalité, ce n'est pas que l'église, physiquement, est cette colonne debout. D'abord, non. En réalité aussi, quand on dit que l'église est une colonne de la vérité, cela ne veut pas dire directement qu'il y a une seule colonne. Non. C'est une seule colonne, mais avec trois caractéristiques, avec trois manières, avec trois éléments qui contribuent à la manifestation de l'œuvre d'une seule colonne. C'est-à-dire, quand la première colonne se manifeste, c'est l'église qui est la lumière. C'est le rôle de l'église en tant qu'appui de la vérité. Quand la deuxième colonne se manifeste, c'est toujours le rôle de l'église qui est l'appui, la lumière de la vérité. Quand la troisième colonne se manifeste, c'est toujours l'église. Est-ce que vous comprenez? Donc on peut dire que ça c'est la nature. Mais les trois sont des fonctions. Et les trois fonctions ne sont pas séparées de l'église. Les trois sont un. Et on peut voir, en un, on peut voir les trois. Les trois forment un seul. Et le seul se manifeste en trois manières. Les trois colonnes forment une seule colonne qu'est l'église. C'est bon, vous comprenez? Les trois colonnes forment dans leur manifestation, dans leur fonction, dans leurs œuvres, une seule colonne qui est l'église. Mais nous, nous voyons encore que cette seule colonne qui est l'église a trois éléments qui le distinguent dans son œuvre qui est de révéler la lumière. Donc ces trois colonnes, lorsque ces trois colonnes obéient, nous voyons qu'en réalité que ce n'est pas ces trois colonnes qui agissent directement, mais c'est l'église qui agit, qui est la lumière et l'appui de la vérité. Mais en réalité, c'est comme Dieu, le Saint-Esprit et le ministère des anges. Nous savons que le Saint-Esprit envoie les anges pour opérer. Vous le savez très bien. Non? Mais quand les anges opèrent là, on ne dit pas que c'est l'ange qui a fait. C'est le Saint-Esprit qui a fait. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Donc, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez comprendre la révélation que nous allons donner aujourd'hui. Montre le talent. C'est bon? Gloire à Jésus. Jésus, 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 Jésus. Comme j'ai fait. Jésus.
Gloire à Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Donc, tu peux me résumer ce que j'ai dit concernant l'église qui a une seule colonne, mais qu'est-ce qui nous motive à parler de trois colonnes malgré que l'église a une seule colonne? Quelqu'un pour m'expliquer. Que représente l'église qui est la seule colonne et que représente les trois colonnes? Papa, non, les jeunes d'abord. Aujourd'hui, papa, je sais, papa va parler maintenant. Mais je veux que quelqu'un pour parler, pour intervenir. Oui, micro, donne-lui le micro. Acclame Jésus pour sa vie. Alléluia. Premièrement, on a dit que l'église est la colonne et la pluie de la vérité. Que l'église est la colonne et la pluie de la vérité. Et c'est ça qui est le premier chemin. Et les trois autres chemins sont les fonctions de l'église. C'est-à-dire les fonctions de l'église. Et toutes ces trois colonnes forment aussi. C'est-à-dire ces trois colonnes. C'est-à-dire sont dans la même colonne de l'église. C'est-à-dire les trois colonnes que vous avez dessinées en bas sont les fonctions de l'église qui forment aussi une seule colonne liée à l'église. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un pour encore appuyer ce qu'il a dit. Pas une autre explication, mais pas un autre développement. Voilà. Pour clarifier encore ce qu'il a dit. L'apôtre veut intervenir. Oui. La première colonne. Non, donnez le micro à l'apôtre. Le bien aussi veut parler. Acclame le Seigneur pour la vie de l'apôtre. La première colonne qui représente l'église, en fait, c'est Jésus lui-même qui est en bas, qui est encore en haut. En bas, c'est, on dirait, l'origine. L'origine, la source. Et encore au sommet. Au sommet, lui qui est encore au sommet. Et il est encore la vérité. Comme il est écrit dans Jean 14, que je suis le chemin, la vérité. Donc la première colonne représente l'église. Et c'est Jésus qui est à la fois à la base et au sommet de l'église. Voilà. Maintenant. Pourquoi trois autres colonnes ont été dessinées, malgré que la Bible parle d'une seule colonne qui est l'Église, qui est l'appui de la vérité? Le frère va me parler d'abord. Donnez le micro au frère. Papa, vous allez parler avec moi. Shalom, shalom. On pourrait dire que les trois colonnes qui représentent l'Église, c'est comme les trois fonctions dans lesquelles l'Église peut travailler en communion avec le Jésus qui est la vérité, avec l'Esprit de Dieu. Et étant donné que la colonne s'appuie sur Jésus qui est la vérité et encore en hauteur, il est encore connecté avec Jésus qui est la vérité. Étant donné que Jésus est le commencement et la fin de toutes choses, cela représente comme Jésus est le bas et le haut de l'Église qui le porte comme une fondation, une fondation en bas et de celui d'en haut. Gloire à Jésus. Hein? Et les trois colonnes là représentent la dispensation dans laquelle l'Église peut travailler. Les manifestations. Des fonctions ou bien des différentes manières d'opérer de l'Église. Voilà. Gloire à Jésus, papa. Et comment il a dit les trois colonnes. Tout d'abord, c'est l'Église est la colonne. L'Église est la colonne. Donc, les caractéristiques de la colonne sont en trois. Trois caractéristiques que on va nous définir plutôt. Donc, tout ça là font faire ou bien explique qu'ils sont soutenus par Jésus en haut
et Jésus en bas. C'est pourquoi on dit Jésus en haut, c'est l'alpha. Jésus en bas, c'est l'oméga. Mais dis ça. Ah, qui a eu la révélation quand il prêchait quelqu'un, c'est le frère là. Mais ça va pas. Quand il prêchait quelqu'un, il dit alpha ou oméga. C'est vous. Mettez alpha et oméga. Acclamons Jésus pour la vie de papa. Voilà Jésus. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est quoi l'onction quitte d'en haut. C'est quoi la révélation bien. L'inspiration de l'église quitte en haut. Et descend en bas. Bon, les caractéristiques sont le chemin, la vérité, pour former la vie. Papa est entré dans la révélation. Papa est entré dans la révélation. Papa est entré dans la révélation. Gloire à Jésus. Vous gardez ça, papa. Gardez les trois là. C'est la révélation. C'est une révélation que vous avez donnée. Honnêtement. Merci. Vous êtes dans la révélation. Merci. Je vous dis la vérité. Ça, gardez ça. Souvenez, rappelez-vous de Jean 14. On a écrit ça. Voilà. Gardez ça. Nous allons utiliser ça. Donc ça fait que celui qui a formé, qui est le maître de l'univers, est le maître de l'univers invisible comme l'univers visible. Alléluia. Et donc en haut, c'est l'univers invisible. Et en bas, c'est l'univers visible. Donc, en haut, c'est Jésus. Jésus avait comme l'univers invisible que nous ne voyons pas. C'est les anges et le trône. Maintenant, Jésus en bas, l'univers visible que nous voyons, c'est l'origine. La fondation. La fondation. L'origine de l'Église. Oui. Et maintenant, la dispensation, c'est dans l'Église. Ça veut dire que nous, les hommes, nous formons l'Église. C'est sur nous les hommes que tout ça là doit être dispensé. Si bien que le chemin qui mène à la vie, c'est Jésus en haut. Et le chemin qui mène toujours à la vie, c'est Jésus en bas. Donc, en haut, c'est les anges, les trônes, les divinités, tout ça là. Mais en bas, nous sommes les hommes. C'est les hommes qui sont sur la terre. Qui représentent Jésus. Qui représentent Jésus. Ok. Acclame Jésus pour la vie de papa. Vraiment. Papa a suivi les deux fils hier. Papa a entré dans une autre dimension. Papa est rempli de la parole maintenant. Et papa même, il explique la parole. Il interprète. Non, acclame Jésus pour la vie de papa. Gloire à Jésus. Nous allons commencer à mettre les trois colonnes. Nous allons mettre d'abord chemin ici. Chemin. Donnez un peu de ça. Nous allons mettre après. Non. Mettez chemin ici seulement. On va mettre les 20 noms des colonnes là. On va mettre ça à chaque heure. Voilà. Mettez à côté, seulement. Mettez chemin. C'est bon? Vérité. Et vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc je vous cite le nom des trois colonnes. Les trois colonnes. Mettez ici. Prédication. Prédication. Et qui va me donner le deuxième? Après prédication, il y a quoi? L'évangélisation. Non. L'enseignement. Non. Enseignement, oui, enseignement, oui. Enseignement, c'est le deuxième. Vous voyez, nous sommes en train d'entrer
t'expliquer les trois colonnes comme ça. Hein? Enseignement. Enseignement. Exaltation. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Donc, le chemin, c'est la prédication. La prédication montre le chemin. L'enseignement révèle la vérité. L'enseignement consolide dans la vérité. Vous voyez que la vérité est ici, ici. Pourquoi? La vérité est au hauteur et la vérité est aussi à la base. La vérité est au sommet, la vérité est à l'origine. C'est parce que l'enseignement est dirigé vers la base, on peut dire les profondeurs, la révélation, c'est-à-dire dans les profondeurs. Parce que la fondation, c'est dans les profondeurs qu'on fait la fondation. Mais nous appelons ça la base. Donc, l'enseignement est dirigé d'abord en deux dimensions, les hauteurs et les profondeurs, avant de voir la longueur et la largeur. Mais si c'est déjà dans les hauteurs et la profondeur, sachant déjà que c'est dans la hauteur, dans la largeur, dans la longueur. Ce qui veut dire quoi? L'enseignement est capable de toucher la profondeur de Dieu. De toucher la hauteur de Dieu. L'enseignement est reçu depuis le ciel, par inspiration, et établi comme une fondation sur la terre. Est-ce que vous voyez? Pourquoi la vérité, nous mettons la vérité sur l'enseignement? Parce que l'enseignement est capable de révéler Jésus. C'est l'enseignement qui a reçu, au-delà des deux autres là, l'enseignement a reçu le plein pouvoir de révéler Jésus dans toutes les dimensions. De révéler Jésus dans toute son omniprésence, omnipotence et omniscience. Donc l'enseignement est en même temps la fondation et en même temps la croissance spirituelle. L'enseignement est la consolidation de la fondation qui est la vérité, qui est toujours Jésus. Et l'enseignement est aussi quoi? L'enseignement est aussi favorise la croissance spirituelle. Lorsque nous quittons l'origine, si nous quittons l'origine de l'enseignement, l'enseignement quitte la fondation pour aller vers la hauteur, pas la croissance spirituelle. Mais si nous quittons le sommet, ou bien la hauteur pour descendre à la base. L'enseignement, d'abord une inspiration que l'on reçoit du ciel, comme une révélation, une interprétation, qui quitte le ciel, qui quitte les hauteurs, pour descendre dans les profondeurs. C'est-à-dire pour venir sur la terre et aller dans les profondeurs. Voilà comment Dieu opère. C'est pourquoi l'enseignement est le fondamental des trois colonnes. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, vérité ici, vérité ici, vérité ici. Vérité, vérité, vérité. Ça, c'est l'enseignement qui est le socle. Si on enlève l'enseignement et on va se baser sur les dieux là, l'église va tomber. Si on enlève l'enseignement de la parole de l'église, la prédication va jouer son rôle. L'exaltation va jouer son rôle. Et l'église ne peut plus être solide. Et la colonne ne va plus répandre la lumière. Comme cela sur toi. Donc les trois travaillent ensemble et les trois forment un. L'unique colonne se manifeste en trois formes, en trois manières. Mais la manifestation des trois révèle l'unique colonne. Acclame Jésus. Alors. Qu'est-ce qu'une prédication? Qu'est-ce qu'une prédication? Une prédication,
une prédication et une parole inspirée de Dieu. Une prédication et une parole inspirée de Dieu. Qui est communiquée avec puissance. Avec puissance. Avec puissance, quelqu'un peut me lire ce que je viens de dire. Une prédication est une parole inspirée de Dieu qui est communiquée avec puissance. Voilà, qui est communiquée avec puissance et qui touche les cœurs. Qui touche les cœurs. Qui touche les cœurs. Qui touche les cœurs. Cœur. Et sauve. Et sauve ceux qui l'écoutent. Voilà. Ouais. Ou bien pour le salut, c'est mieux. Pour le salut de ceux qui l'entendent ou l'écoutent. L'entendre, c'est mieux, non? Pour le salut de ceux qui l'entendent. Donc, reprenez-moi la lecture. Une prédication est une parole inspirée de Dieu qui est communiqué avec puissance et qui touche les cœurs pour le salut de ceux qui l'entendent. Voilà. C'est clair? C'est clair, ça c'est une prédication. Qui est l'objet de notre prédication? Jésus-Christ. Donc ici, la prédication est basée sur Jésus-Christ. La prédication est basée sur Jésus-Christ. C'est lui l'objet de notre prédication. C'est lui que nous prêchons avec puissance. C'est lui que nous prêchons avec puissance. C'est lui qui, nous, que quand nous disons répandez-vous le royaume des cieux est proche, c'est Jésus que nous prêchons. Parce que le premier message de Jésus vis-à-vis des hommes, ou bien envers les hommes, c'est la repentance. Quand nous prêchons la repentance, nous prêchons Christ. Quand nous disons nous prêchons la repentance, nous sommes en train d'interpeller le peuple de changer de manière de voir, de manière de penser et de faire quoi? Et de s'attacher à Jésus. Donc, si tu prêches, s'il y a prédication et que les cœurs ne sont pas vivement touchés, ce n'est pas une prédication. C'est charnel. Ou bien c'est un discours persuasif de la sagesse. Quand tu prêches quelque part et que les gens te chassent, ça dépendra de ce que tu prêches. Nous, quand nous prenons Christ, on peut. Si nous prêchons Christ, on peut nous chasser. Ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons. Le monde rejette. Ça dit, c'est pas d'abord la volonté de Dieu. Mais parfois, à cause de la volonté de Dieu qui nous envoie prêcher, les hommes vont haïr le message, vont rejeter le message. Et quand le peuple, les gens rejettent le message de, que nous prêchons véridiquement, cela ne doit pas nous décourager. Ça, c'est parce que nous prêchons le vrai message que certains rejettent. Certains ne peuvent pas supporter. Parce que tous ceux qui ont prêché Christ n'ont pas été accueillis. Certains les accueillent, mais certains ne les accueillent pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est une parole qui dévoile les sentiments des cœurs. C'est une parole qui vient toucher les cœurs, qui dévoile les cœurs. Et lorsque les cœurs écoutent cette parole, ils sont vivement touchés. Ils sont dépouillés de leur péché, de leur caractère, de leur. Ces cœurs sont ouverts, sont vulnérables en écoutant cette parole. Certains ne peuvent pas résister si c'est la pas puissance que cette prédication est donnée. Alléluia. Amen. Parfois nous prêchons et les gens nous renvoient. Cela ne veut pas toujours dire que c'est la prédication qui vient de l'Esprit de Dieu que nous avons prêché. Ce n'est pas parce que si tu prêches Christ, c'est un objet de scandale pour les hommes et que les hommes te détestent, qu'en tout temps, tu penseras que même si tu es dans l'erreur, même si tu prêches mal, et que les gens te chassent, tu ne peux pas, il n'est pas bien de penser que c'est parce que non, c'est pas la parole de Dieu que je prêche, la Bible dit que c'est un scandale pour les païens, c'est pas tout le temps comme ça. Parce que là, ça dépend de la manière dont tu prêches. Tu peux recevoir l'inspiration
aller prêcher, mais que l'on te renvoie. Ça montre, ça peut aussi montrer que ce que tu as prêché là, ce n'est pas de Dieu. Ou soit c'est de Dieu, mais tu prêches mal. Et ça, la chair, je sais que la chair ne peut pas supporter la vérité. Mais à quelques fois là, la chair est disposée, l'homme est disposé, l'esprit est disposé pour écouter. Mais quand toi tu prêches mal, c'est la chair que tu libères une parole charnelle. Et l'esprit de la personne ne peut pas supporter. Donc, c'est son esprit qui te renvoie. Ce n'est pas sa chair qui te renvoie. Quand tu prêches l'évangile authentique, c'est la chair qui peut, la chair peut te renvoyer. Nous n'aimons pas si tu dis quoi, c'est quoi ça? Parce que tu prêches la répandance, tu prêches Jésus-Christ réellement. Mais si tu ne prêches pas l'évangile authentique, qui n'est pas inspiré de Dieu, que tu prêches des choses charnelles, ou mais tu prêches la vérité, mais pas avec le fruit de l'esprit, mais dans la chair, ça c'est l'esprit de la personne qui est disposé à t'écouter, qui va te chasser. Pourquoi? Parce que l'esprit est disposé, lui disposé, mais toi ta chair est faible. Son esprit est disposé, mais ta chair ne lui communique pas la vie dont son esprit a besoin. Qui peut m'expliquer? Ou bien je réponds encore. J'aime répondre plusieurs fois. Je réponds encore. Il y a deux manières. Premièrement, tu prêches la vérité. Cela vient de Dieu. C'est Jésus-Christ. Et tu ajoutes encore le fruit de l'esprit. Et tu prêches avec puissance. Normalement, ça doit toucher. Non? Oui. Ça doit toucher et briser l'âme et le corps, la chair, pour que l'esprit reçoive. Au contraire, c'est la chair de la personne qui se soulève contre toi. Pas des propos abominables. C'est quoi ça? C'est quel évangile? Et vous chasse. Ça, vous avez raison. Parce que Jésus dit, quand vous prêchez et l'on ne vous reçoit pas, secouez là. Cela vous dit que vous avez fait votre part. Mais quand tu vas prêcher un message qui n'est pas inspiré de Dieu, qui est charnel, ou soit ce message est inspiré de Dieu, mais toi tu communiques mal ce message avec le zèle amer ou avec les œufs de la chair, ou bien ce message n'est pas conduit, c'est conduit par l'esprit, hein, mais tu n'as pas le fruit de l'esprit quand tu communiques ce message-là. Au lieu que ça soit, la personne est déjà disposée. Son esprit est disposé à t'entendre. Parce que Dieu y a préparé son cœur pour t'entendre. Mais si tu prêches mal l'inspiration qui t'est venue, ou bien quand tu communiques mauvaise parole, au lieu que ça soit sa chair qui te renvoie, comme l'autre cas, c'est maintenant son esprit. Parce que son esprit était disposé, c'est à écouter. Mais la parole que toi tu te prépares à lui donner, son esprit ne peut pas, ça ne peut pas nourrir son esprit. Dieu lui-même suscite les personnes pour nous persécuter, parfois. Oui. Quand je dis persécution, ce n'est pas pour nous faire mal. Non. Mais pour que les esprits n'entendent pas de mauvaises paroles. C'est pourquoi, en tant que prédicateur, nous devons être conduits par l'esprit à l'évaluation. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous conduire. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, ce matin, que dans l'évaluation, ce que nous devons prêcher en tant que ministre de la parole doit être une inspiration qui vient de Dieu. Ce n'est pas parce que mon frère prêche sur le pardon que moi, mais je prêche en même temps le pardon. Moi, je peux prêcher sur plutôt sur la repentance, sur la colère. Lui prêche sur le pardon. Chacun marche dans l'inspiration du Seigneur. Donc, nous devons demander ce dont le peuple qui nous suit instantanément a besoin. C'est ça la prédication. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de quoi? Qu'est-ce que je dois les prêcher? Donc, vous l'avez compris les deux manières. Le premier, quand cette parole vient de Dieu réellement, vient de Dieu, la personne peut accepter et Dieu est glorifié et convaincu en même temps. La personne va refuser. Si elle refuse, au cas où cette personne refuse, ça ne montre pas que le message que tu as donné est faux. C'est Dieu qui a parlé. Mais sa chair ne peut pas supporter en ce temps. Donc, la personne se lève et peut persécuter et te renvoie. Ça, c'est l'ennemi qui provoque ça. Pour que l'esprit ne reçoive pas la vraie parole qui vient de Dieu. Maintenant, le deuxième cas. L'esprit te donne une bonne parole d'inspiration pour prêcher à la personne. Tu reçois cette parole. Mais tu n'as pas la connaissance pour bien la distribuer. Ou bien, tu distribues mal cette parole. Ou bien, tu communiques mal cette parole. La parole qui vient de Dieu, au lieu, c'est quand tu communiques mal, elle n'a plus le pouvoir comme le même pouvoir qui l'accompagnait depuis le ciel où Dieu t'a donné l'inspiration.
Alors quand ces paroles viennent, ces paroles n'ont plus de puissance. Parce que la prédication, c'est une puissance. Ces paroles n'ont plus de puissance pour briser et séparer l'esprit et l'âme et le corps. Mais cette parole fait quoi en réalité? Quand cette parole vient, au lieu que ce soit la chair qui repousse ce message, au lieu aussi que son esprit reçoive, son esprit maintenant va dire, ne va pas être disposé. Marguerite, tu vas voir bien la personne. Ce que tu dis, c'est vrai. Ou bien, tu dis les choses qui sont erronées. La personne ne peut pas supporter. Dieu va créer la condition pour que tu t'éloignes de la personne. Parce que tu as le zèle amer. Est-ce que vous me comprenez? Oui. C'est les choses qui se passent à l'évangélisation. Ou bien qui se passent même à l'église. C'est ça. Surtout à l'évangélisation. D'abord, même c'est pas à l'église, mais à l'évangélisation. C'est pourquoi nous devons être conduits par l'esprit sur le terrain d'évangélisation. Son esprit qui devait recevoir la parole sur le bon terrain. C'est pas quand l'esprit le fait, c'est pas pour une rébellion, non, non. Tu vas entendre la personne va dire, mais non. La personne même va commencer à t'évangéliser. Au lieu de ça, soit toi qui l'évangélises, tu vas voir que c'est elle qui commencera à t'évangéliser. Qui a expérimenté ça une fois? Elle ne commence pas à te prêcher. Ah, le frère. Ah, l'apôtre aussi dit. Elle va commencer pas, c'est pas comme ça, on prêche. C'est le Seigneur. Mais parfois, ne pensons pas que c'est la rébellion. Parfois, c'est le Seigneur qui le pousse à nous conscientiser. Surtout quand le Seigneur libère la parole et que tu fais autre chose, le Seigneur n'est pas du tout content. Alors, quand cette parole est libérée là, comme si Dieu sait qu'au lieu que cette parole qu'il a donnée lui-même, sauve la personne et que toi tu as corrompu le message en donnant autre chose, pas tes caractères, ton zèle amer, lorsque tu communiques le message, Dieu ne va pas t'accompagner. Il ne va pas accompagner le message pour qu'il arrive sur bon terrain. Non. Il suscite la personne qui dit non. Or, tu as prêché. Tu as dit, mais j'ai dit la vérité, j'ai prêché. J'ai dit la vérité. Mais c'était sans intelligence et sans sagesse. Et l'esprit ne supporte pas la chair. Donc, c'est toi qui es maintenant dans la chair. Et lui, qui est le païen, est dans l'esprit. Et Dieu le suscite pour dire non, ce que tu dis là. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et toi, tu vois que tu n'es pas dans la parole. C'est quoi, on dit que manger le rouleau avant d'aller évangéliser. Gloire à Jésus, acclame Jésus. Oui. Manger le livre de la parole avant d'évangéliser. Et laissez-vous conduire par l'esprit. Je ne dis pas ça pour. C'est pas une théologie. Laissez-vous conduire par l'esprit. Mais si vous n'avez pas le fruit de l'esprit, vous ne pouvez pas toucher les âmes. Si votre prédication est remplie de colère, elle ne peut pas sauver. Au lieu que ça sauve, ça condamnera la personne. Et au lieu de gagner la personne, vous l'envoyez en enfer. Or, il y a une histoire, cherchez-moi l'histoire même. Cherchez-moi l'histoire. Où les apôtres, des disciples étaient prêts même à jeter certaines personnes qui, en enfer, dans le feu. Parce qu'ils voyaient que ces personnes ne l'évangélisaient pas avec eux. Ces personnes n'étaient pas avec eux. Je ne sais pas, c'est dans Matthieu quelque part. Cherchez-moi le verset. Gloire à Jésus. C'est là où le Seigneur dit si celui qui n'est pas avec nous, non, celui qui est. Celui qui est. En tout cas, cherchez-moi. Et nous allons continuer. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de parler de la prédication. Vous êtes en train de comprendre déjà? Ah. Différent. Nous allons faire la différence entre toi, vous allez comprendre. Gloire à Jésus, moi, mais je vais faire ça sur le ciel. Celui qui ne parle pas mal de moi. Je vais trouver ça mal. Voilà, c'est Luc. C'est Luc, c'est bien. Gloire à Jésus. Voilà, c'est Luc. Luc 9. Luc 9.
à partir du verset 49. Luc chapitre 9 à partir du verset 49, je lis au nom de Jésus. Jean prit la parole et dit: Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus. Car qui n'est pas contre vous est pour vous. C'est clair. Amen. C'est lié à tout ce qu'on a dit aujourd'hui matin. Continue. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'ils se dirigèrent sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Alors, amen. Nous devons prêcher la vérité, oui. Nous devons prêcher la repentance, oui. Mais le Fils de l'homme n'est pas venu pour envoyer du feu sur les hommes qui sont sur la terre, pendant qu'ils sont vivants. Non. Le jugement existe. Et après la mort, c'est le jugement. Après la mort, c'est l'enfer ou le paradis. Mais sur terre, tu dois parler de l'existence. Quand je prêche, tu dois parler aux païens de l'existence de l'enfer, du paradis. Ils doivent savoir que ça existe. Et je dois vous les montrer que le chemin de l'enfer, c'est la mort, c'est le péché. Mais le chemin de la vérité et la vie, c'est Jésus. Mais envoyer quelqu'un en enfer, livrer des personnes en enfer à l'évaluation, ce n'est pas permis. C'est ce que ces gens ont fait. Ils sont en train veulent aller évangéliser quelque part et les gens ne les ont pas reçus. Alors, ils se sont mis en colère parce qu'ils n'ont pas reçu la parole, n'ont pas reçu Jésus. Alors, nous allons envoyer sur eux le feu. Souvent, nous faisons ça dans les versions. Non, disons la vérité. Souvent, oui. Nous faisons ça. Ou bien, oui. En enfer. Nous les livrons en enfer. Oui. C'est pas ça. Jésus, la Bible dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes. Il n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes. C'est une vérité indéniable que nous sommes en train de révéler. C'est la sagesse. C'est pourquoi la Bible parle du ciel à la mer. Prêchons la repentance, parlons de l'existence du jugement. Quand nous lisons Hébreux 6, la Bible parle du jugement. La Bible parle du jugement. La Bible parle du jugement comme une tortue. Parlons du jugement, oui. Parlons de l'existence de l'enfer et du paradis. Et ce n'est pas nous qui avons cette autorité d'envoyer quelqu'un en enfer pendant qu'il est sous terre. Non, non. Prêchez Jésus. Le reste là, le Seigneur va convaincre le cœur. Donc c'est ça la prédication. Donc ça dépend de la manière dont tu prêches. Tu peux prêcher vérité. Tu peux parler de l'enfer sans même autant condamner la personne. Non, c'est là. Quand vous entrez dans la parole, vous venez de voir que c'est Jésus. C'est une histoire que Jésus a vécue. Avec Dieu, donc, sur cette chose avec des versets à la paix. Pour que vous ne me compreniez pas mal. Voilà. Acclame le Seigneur Jésus. C'est parole, bien, c'est merci pour vous avez énoncé. Nous rappelons souvent. Nous rappelons souvent ce que font certains prédicateurs. Et je vais te le nom. Mais souvent, certains prédicateurs, quand nous les entendons parler, et qu'un élément vienne, un élément du peuple, hein, dit des choses qui l'énervent, il dit: bon, tu veux recevoir ça, tu veux recevoir ta réponse en ligne ou bien hors ligne. Et il ne commence pas à maudire. Ils ne commencent pas à maudire les gens. C'est leur problème. C'est la mer. C'est leur problème. La colère. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous ne pouvons pas
Nous ne pouvons pas aller manifester la colère à l'évangélisation, même quand nous prêchons. C'est le fruit de l'esprit que nous devons manifester. Moi, j'ai compris tout ce que vous avez dit, que nous devons chercher à avoir le fruit de l'esprit. Alléluia, acclame Jésus. Le fruit de l'esprit dans tout notre vie. Partout, partout. Même dans l'évangélisation, c'est là-bas même que nous sommes jaugés. Je vous dis la vérité, c'est à l'évangélisation que nous serons jaugés pour voir si nous sommes de vrais chrétiens. C'est ça. À l'église, nous sommes tout le monde dit Jésus, on dit en ce temps. Mais là-bas, là, on va livrer les âmes des hommes à l'enfer au lieu de les amener au ciel. C'est ça. Donc, cette fruit-là, c'est ça que nous allons cultiver. Gloire à Jésus. Mais désormais, nous tous. Désormais. Dans le réveil. Oui, dans le pour réveil. Gagner les âmes. Pour libérer les âmes. Et non les envoyer à la perdition. Parce que c'est le mal. En dit c'est quoi? C'est nous-mêmes. C'est les caractères qui ne sont pas conformes à la parole. Mm. C'est pas. Quand nous faisons ça là, c'est pas le fruit de l'esprit. Ouais, le fruit de l'esprit. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. C'est ça. Tu prêches, la personne ne te reçoit pas. Il ne reçoit pas le message. Et tu te mets à coller, tu dis. Tu dis que voilà. Et il sera jeté dans l'enfer si tu. Qui ne fait pas ça? Il ne peut pas en même temps. Parfois là, quand nous prêchons, ayons la patience. On veut que la personne soit sauvée en même temps. Oui, c'est vrai. Elle doit être sauvée en même temps. Mais il y a aussi la patience. Peut-être que ta parole que tu as semée là peut faire 2 ans après, avant que cette personne ne soit touchée. Ou bien, instantanément, d'autres vont être sauvés. Mais toi, tu veux qu'en même temps, tout le monde dise je reçois Jésus. Non. C'est parce qu'on passe ici que la colère commence à se manifester en nous. Et disons, voilà, on prêche l'évangile, ils ne couvrent pas, ils sont dus naturellement, le monde est perdu. Non, ce n'est pas tout le monde qui est perdu, mais la manière dont toi tu prêches. Allons-y dans le livre de Romains 10:2. C'est toujours la prédication. Hein. Nous sommes toujours sur la prédication. Romains 10:2. Commencez par le verset premier. C'est pourquoi soyez convaincus par l'esprit pour prêcher l'évangile. Sinon, vous allez livrer tout le monde à l'enfer. Mmh. Et si tout le monde va à l'enfer là, vous n'aurez plus quoi prêcher. Vous ne serez plus serviteur de par ministre de la parole. Mmh. Imaginez si tout le monde vous livrez tout le monde à l'enfer, qui vous allez évangéliser? Au lieu de les livrer à l'enfer là, livrons-les au ciel. Pas la parole, pas la parole pure, pas la vérité, pas la sainte doctrine. Oui, c'est quel verset? Romains chapitre 10. À partir du verset 1er. Romains chapitre 10, à partir du verset 1er. J'ai eu la parole de Dieu au nom de Jésus. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ah! Et qu'ils soient sauvés. Est-ce que nous, notre vœu, c'est que les perdus soient sauvés? L'apôtre parle des chrétiens qui n'ont pas du ciel, qui n'ont pas eu le ciel pur. Mais dans notre contexte, si nous prenons ce verset dans notre contexte, est-ce que nous, on veut que les âmes soient sauvées? Si nous voulons qu'ils soient sauvés là, brisons-nous. Que le Seigneur nous brise totalement. Parce que moi aussi, nous aussi, on était comme eux. On était perdus comme eux. Voilà Jésus qui dit n'envoyez pas le feu sur eux. Ne les envoyez pas en enfer. Non. Parce que moi, je ne suis pas venu perdre les âmes. S'il va en enfer là, est-ce que c'est pour le royaume de Dieu? Je peux me dire que. Le péché mène à l'enfer. Je peux dire que. Vous me comprenez si de quoi je parle? Je peux dire les choses qui conduisent à l'enfer. Sans toutefois manifester une colère contre la personne, contre les gens qui m'entourent et dire à l'enfer. C'est-à-dire, il y a une manière, vous me comprenez, il y a une manière dont nous pouvons manifester la. Nous manifestons la colère parfois qui n'est pas pire. Moi aussi, je le faisais. Je vous dis la vérité, je le faisais. Mais le Seigneur m'a brisé. Le Seigneur m'a enlevé ce zèle amer. Je vous dis la vérité. J'irai, je prêcherai la repentance authentique sans blesser l'esprit de quelqu'un. Mais je blesserai la chair pour que l'esprit soit sauvé. Gloire à Jésus. Que la gloire soit due à Jésus. Continuons notre lecture. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu. Les gens en fait là. Pas nos propos. Le zèle amer. Voyez ce que la Bible parle dit sur l'enfer, concernant la prédication. Quand tu as ça, tu as la clé de la première colonne. Et ta prédication sera une lumière qui sauvera les vies. C'est pourquoi,
avant d'évangéliser, nous qui sommes ministres de la parole, avant de prêcher là, soyons remplis de la parole. À un niveau, les gens qui ne sont pas dans la parole sont disqualifiés. Ils seront disqualifiés de tout travaux. Nous allons commencer par faire la sélection. Non, c'est ce, non, c'est, la, c'est ça, cette dimension de Watkin pour qu'il y ait la qualité. Sinon, nous allons faire le zèle. C'est pourquoi les gens, les églises, les gens ne nous voient pas comme des gens, comme intelligents. Mais ils ne sont pas intelligents, c'est quoi c'est, ils ne sont pas. Mais l'Esprit de Dieu qui les utilise ainsi. Même les païens vont dire non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu ça. Si c'était l'Esprit de Dieu, même si je dis non, il va pour me poursuivre avec compassion, 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 compassion jusqu'à me toucher. Même si je ne suis pas convaincu là, je sais que lui, il est caritable. Chapitre 2, le verset 11 à 12, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, voilà. Une bonne conduite. Au milieu de qui? Des païens. Une bonne conduite. Une bonne conduite. Afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent. Tu dois voir l'autre comme égal à toi. Tu dois le considérer. C'est pourquoi la Bible dit quelque part dans 1 Jean que nous disons que nous aimons Dieu. Si nous disons que nous aimons Dieu, que nous haïssons nos frères, que nous voyons, nous n'avons jamais connu l'amour, nous n'aimons pas Dieu. Continue. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Vous voyez? Donc, le jour où Dieu va les visiter par votre parole là, même s'ils disent non aujourd'hui, c'est pas va être, s'ils voient le fruit, ton caractère, la parole sera dans son cœur. Pour toujours là, d'abord, le Dieu va le visiter. On dit que le Dieu les visitera. Et quand Dieu les visitera par ta prédication, ils seront touchés. Et seront sauvés. Et c'est là qu'ils glorifieront Dieu. Que tu es un vrai enfant de Dieu. Et ça, les chrétiens, les juifs de Béry faisaient. Ils examinaient les Écritures et mettaient en pratique les Écritures. Jusqu'à ce que les gens ont témoigné qu'ils sont des chrétiens. Qu'ils suivent Christ également. On dit que Christ m'a dit qu'il est Dieu. C'est venu lui-même. Elle a même participé au corps du péché. Il est Dieu, mais il a pris un corps de péché. Il s'est rendu semblable à ses frères. Il s'est rendu indulgent. En mettant un corps, en prenant un corps, ou bien en se manifestant dans un corps qui est semblable aux pécheurs. Jusqu'à même manger avec les pécheurs. Cela ne veut pas dire qu'il dit péché. Non. C'est la sagesse. C'est quoi l'Écriture dit? La sagesse a été manifestée par ses œuvres. Préparez ce verset aussi, ça c'est dans le chapitre de Luc, c'est toujours Luc, il me parle. Luc 9, on a lu. La sagesse a été manifestée par ses œuvres. A été glorifiée par ses œuvres. Mangeant, buvant avec les publicains, les gens de mauvaise vie. Et la sagesse a été manifesté, glorifié par ses yeux. En tout cas, même si nous, je connais ça en tête, voilà. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, déjà, nous sommes en train de comprendre. Retournons dans notre Romains 10, 2. Romains 10, 1. Nous sommes à quel niveau? Le 2 ou 3? Le 3. Voilà. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice voilà qui vient de la loi. Moïse lui définit la justice de la loi. Écoutez bien. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Voici comment par la justice qui vient de la foi. En réalité, la prédication est la révélation de la justice qui vient de la foi. Quand tu communiques cette parole, le cœur est touché et parvient à la justice.
Mais si tu fais autre chose, tu désobéis à la justice de la foi, ta prédication est charnelle. Il ne peut pas suivre. C'est pourquoi tu évangélises, tu ne gagnes pas ta. Et non, tu dis que non, tu as semé que Dieu va moissonner. Si c'est charnel là, le Seigneur ne peut pas moissonner ce qui est charnel. C'est comme la prédication de la parabole de la semence. Tu sèmes sur une mauvaise terre, comment tu vas? Quand tu arrives, prépare d'abord le terrain. Moi, je ne suis pas évangéliste. Non. Mais le Seigneur m'a permis de comprendre ces choses. C'est ça. Chacun de nous, mais si on s'en pratique. Quand tu vas sur un terrain, prépare le terrain déjà spirituellement. Commence par parler à l'esprit. À l'évangélisation, nous ne parlons pas d'abord à la chair. Nous parlons à l'esprit. Et quand toi tu es esprit, non? Vous communiquez à l'esprit. La chair est l'ennemi de l'esprit. Quand tu parleras à l'esprit, la chair perdra sa force. Et tes prédications vont briser la chair et sauver l'esprit. Et tu verras qu'il sera sauvé. Hein? Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas en ton cœur. Qui montera au ciel? Qui montera au ciel? Écoutez bien. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est pas notre mission. Nous n'avons pas dit qui montera au ciel. Non. Hein? C'est en faire descendre Christ. Si tu ne comprends pas dire qui est au ciel, mais qui dans ce monde qui est au ciel, tu es en train de descendre qui? Christ. Pourquoi? Christ est déjà au ciel, non? Si Christ est au ciel, c'est que des hommes iront au ciel. Si Christ est au ciel, c'est qu'il sauvera des millions de personnes au ciel. Parce qu'il a déjà accompli le de la croix. Et la Bible dit dans Esaïe qu'il se rassasie. C'est-à-dire qu'il est en joie, il rit. Parce qu'il a accompli. Lui sait que, en fin de compte, là, des milliards d'âmes seront sauvées. Mais comment elles seront sauvées? Par la prédication de la foi. La vraie prédication de l'évangile. Alors, si Jésus a tout fait que toi tu ne participes pas au salut des âmes, tu n'auras pas de récompense au ciel. Non. C'est pourquoi gagnons les âmes pour le roi, monsieur. Par le ministère authentique de la parole. Par la prédication de la parole. Continue. Donc, dis qui ira au ciel? En un an, qui est au ciel? Dans cette ville, c'est nous seuls qui sommes ici, c'est nous qui sommes au ciel. Vous dites ça? Souvent, nous qui, voilà, c'est moi, nous, c'est nous qui sommes au ciel. Non, nous sommes sauvés déjà. Nous là, on est déjà au ciel. On est déjà sauvés. Mais nous devons pratiquer les œuvres de la foi pour maintenir notre salut, pour ne pas perdre le salut. Mais nous n'allons pas dire que c'est nous seuls. Qui iront au ciel? Non. Dieu a des millions de personnes sur la terre qui ne se sont pas souillées, qui sont prêts aussi pour le ciel, au même titre que toi et moi. Si tu as cette pensée-là, tu vas gagner des âmes à Jésus. Si tu n'as pas cette pensée-là, arrivé là-bas, tu vas maudire les gens. Parce que pour eux, pour toi, là, comme toi, tu es sauvé, tu es le seul, elle est sauvée sur la terre, eux sont livrés à l'enfer. Vous ne me comprenez pas, hein? Ah, alléluia. Je me dis que vous comprenez déjà. Donc, c'est le verset qui tient. Le verset qui ne dit plus à ton cœur qui est au ciel. Quand tu dis ça, là, tu as de descendre Christ. Parce que Christ lui est déjà monté au ciel. Et lui, il attend seulement que toi, tu amènes les autres pour que les autres aussi montent avec toi et lui au ciel. Si toi, tu te poses des questions, tu doutes même de la foi. Tu doutes, même ça, montre que ton salut n'est pas assuré. Ah bon? Donc tu ne commences pas à te poser, est-ce que je suis? Non. Si tu es en Christ, pratique la sanctification. Et aie l'assurance de ton salut. Que tu es dans la scène de ton. Et le peuple ne te pose plus des questions douteuses. Qui vont mettre en tout ton salut. Et aller mettre en tout le salut des autres pour qui Jésus s'est sacrifié. Va prêcher Jésus avec sagesse. Et là, l'esprit de sagesse les touchera. Et ils seront sauvés. Oui? Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ah, hein? Ou qui descendra dans l'abîme? Ah, où est l'abîme? C'est quoi l'abîme? Donc, mes chers, qui descendra en enfer? Qui ira en enfer? Ce n'est pas notre rôle de savoir qui va en enfer. Dans cette année, 10 personnes vont en enfer. 20 millions de personnes sont allées en enfer. 5 personnes au ciel, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, nous, c'est la sanctification. Comment laver nos robes? Comment nous devons mettre de l'ordre dans notre vie?
Notre question, quand on ne commence pas à poser ces questions-là, c'est les distractions. Je vous dis les distractions, c'est les futilités qui douteront, qui mettront en doute son salut. Non, les gens vont dire non, c'est des choses qui vont créer la crainte de Dieu. Oui, la crainte de Dieu doit nous permettre de vivre la sanctification. Nous devons craindre Dieu, ça c'est obligatoire. Et vivre la sanctification en Jésus-Christ. Mais se poser ce type de questions, c'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi qui dis. Vous-même, vous l'avez lu. Quand on prend version parole de vie, vous allez voir que c'est encore plus clair. Relisez, je vais chercher la version parole de vie. Tout de suite. Relisez la partie. Hein? Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. C'est la prédication qui comment parle. C'est la prédication. La prédication, c'est parler de la part de Dieu. C'est comme une prophétie. Vous comprenez? On prêche là. On communique par inspiration. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Quand Christ lui est monté, quand tu dis comme ça, tu es en train de faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Voilà. Voilà ce que la justice de la foi dit. Voilà ce que toi tu diras au pays. Au lieu de dire est-ce qu'ils iront au ciel, est-ce qu'ils ont en enfer? Non. Prêche le Jésus-Christ. Prêche la parole. Et tu leur diras comment? Voilà la prédication de la foi. La prédication de l'évangile. Qu'est-ce que tu leur diras? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi que nous prêchons. J'ai parlé de la foi. Oui, oui. Est-ce que tu doutes, toi-même, de ton salut? Et tu iras dire à l'autre, est-ce qu'il est sauvé? Prêche-lui Jésus simplement. Prêche-lui la repentance. Et ne lui fais pas, ne lui conduis pas à douter de Jésus. Si Jésus que tu prêches est incapable de le délivrer de l'enfer, ça montre que toi-même tu n'es pas sauvé. Si Jésus que toi tu prêches est incapable de le libérer de son péché, incapable de le libérer de sa maladie, mais ce Jésus ne juge, ne fait que juger, ne fait qu'envoyer en enfer. Et ce Jésus n'aime pas même sauver les âmes, ça montre que toi-même tu n'as pas l'assurance de ton salut. Et tu le conduis même à douter de ton Jésus. Voilà comment les choses qui nous ont poussé à être de faux prédicateurs sur les terrains d'évangélisation. Parce que nous ne prêchons pas la parole de la justice. Nous ne parlons pas le message de la foi qui doit sauver le malade, sauver le perdu. Nous ne livrons pas les âmes vers le chemin du ciel, mais nous leur montrons qu'ils sont sur le chemin de l'enfer. Oui, ils sont sur le chemin de l'enfer. On doit les dire ça. Mais ne les livrons pas nous-mêmes, pas nos paroles, dans les profondeurs de la Bible. C'est ça l'Écriture dit. En disant quoi? Si tu confesses. Voilà ce que nous devons dire au païen. La parole de la foi que nous devons lui dire quand nous finissons de finir, nous finissons de lui prêcher l'évangile plutôt. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est tellement simple. S'il croit dans son cœur, maintenant que tu prêches, est-ce qu'il croit que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé. Instantanément, il est sauvé. Quand tu lui donnes une parole de foi là, il va croire. Quand tu viens lui parler d'une parole de foi, d'amour, de salut, de repentance, de dénonciation du péché, il va croire. Il saura que le péché est l'ennemi qui combat son âme. Avec douceur, avec les exemples terre à terre. Que la gloire soit due à Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que nous devons faire. C'est ça la prédication. C'est ça la première colonne qui maintient l'Église dans la vérité. Si vous, nous ratons cela, nous sommes en train de sortir de la vérité. Parce que la colonne de la prédication est sur la base de l'appui qui est la vérité, qui est Jésus, et la hauteur aussi est Jésus. Si nous ratons la base de la prédication, nous sommes en train de rater la révélation de la lumière. Nous devons prêcher. Il n'y a rien, nous devons rien cacher. Tout dit. Nous devons tout prêcher. Nous ne pouvons pas tuer l'évangile. Nous devons tout prêcher. Mais avec ça, geste, humilité et douceur et intelligence. Acclame Jésus. Voilà Jésus. C'est là les gens verront que nous sommes vraiment des enfants de Jésus. Allons lisons. Je voulais lire parole de vie. Je lis moi.
Alors je lis. Frères et sœurs chrétiens, je désire de tout mon cœur que les Juifs soient sauvés. Et je demande cela à Dieu pour eux. Oui, je peux le dire. Ils sont pleins d'ardeur pour Dieu. Mais cet ardeur n'est pas éclairé par la connaissance. Vous voyez? Vous êtes maintenant éclairé. Vous êtes éclairé, non? Ils sont éclairés. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Vous voyez? Dieu rend juste comment? Dieu a un principe pour rendre juste les hommes, les êtres humains. Mais si nous ne comprenons pas ça, nous-mêmes, c'est comme si nous ne sommes pas sauvés. Et tu n'es pas sauvé, tu veux sauver les autres. Tu es un aveugle, tu veux diriger les aveugles. C'est pourquoi tu dois avoir l'intelligence pour connaître le véritable. Pour avoir la révélation d'abord. Je veux continuer. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Ils ont cherché à imposer leur façon d'être juste. Ainsi, ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour rendre juste les êtres humains. Où est-ce? En effet, la loi de Moïse a atteint son but. C'est le Christ. Et maintenant, Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Vous comprenez, non? Oui, oui. Quand Moïse parle de la justice qui vient de la loi, il dit, la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qu'il montera au ciel. Pour faire descendre le Christ, ne dis pas non plus qu'il va descendre dans le ventre de la terre. Ça, c'est l'abîme ou l'enfer. Le Christ est déjà remonté du lieu des morts. Alors, quand tu dis ça, là, tu ramènes encore Christ au séjour des morts. Or, Christ est déjà, a déjà quitté là-bas depuis plus de 2000 ans. C'est ça. Cela ne veut pas dire que les gens ne sont pas en enfer actuellement. Ceux qui ne croient pas en Jésus continuent d'aller en enfer. Ceux qui rejettent l'évangile continuent d'aller en enfer. Ceux qui abandonnent Jésus et vivent une vie de péché en abandonnant Christ, pratiquent l'iniquité, vont toujours en enfer. Ils vont encore, ils continuent d'aller en enfer. Ça ne veut pas dire que quand je vois mon frère, je le vois déjà marqué pour l'enfer. C'est ça l'écriture a déjà dit. Que ne dis plus à ton cœur qui ira en enfer, qui ira au ciel. Pour toi, qu'est-ce qu'il a dit ici? L'apôtre dit ici dans le parole de vie. Ne dis pas non plus, je viens de lire ça. Alors, voici comment l'écriture parle de la justice, ou les livres se parlent de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Quand tu évangélises, dis-lui que Dieu est à la porte de son cœur. Dis-lui que la parole est près de son cœur. L'évangile est maintenant au portail de son cœur. Qu'il ouvre son cœur pour recevoir la parole, pour recevoir la vie. Et tu feras tout pour lui montrer que la vie qu'il mène maintenant, il y a une autre vie encore supérieure, plus parfaite que ça, avec des exemples terre à terre. Et là, vous allez le voir, vous allez, c'est-à-dire l'esprit, le péché même, va perdre sa force, il viendra se répartir. Gloire à Jésus. Voilà. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus-Christ est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. Donc dites-lui simplement, s'il croit à ça, il est sauvé. Quand il croit en tout ça, c'est simple. Hein? L'évangélisation, c'est simple. Hein? Je vous dis la vérité. Quand vous lui dites ça, il croit ces éléments. Vous l'amenez, vous lui parlez du dépouillement. Vous lui parlez des choses qui concernent la parole. Vous le baptisez et vous commencez par lui donner l'enseignement de la parole. C'est ça. Sinon, nous n'allons pas gagner les âmes. Alors que si nous ne donnons pas les âmes, nous ne serons pas récompensés. Nous allons perdre notre couronne. Gloire à Jésus. Donc nous allons lire quelques versets sur la prédication. 1 Corinthiens 1, 18. L'enseignement, nous n'allons pas continuer sur l'enseignement parce qu'il y a un autre chapitre qui concerne l'enseignement. C'est ça qui est les quatre langages. Donc ici, c'est les trois colonnes. Après, nous allons parler des quatre langages. Donc c'est là que nous allons parler en détail de l'enseignement. Maintenant, nous ne sommes pas sur l'enseignement, mais nous allons, si nous venons sur ça, nous allons donner les définitions. Non, notez, gardez les questions d'abord. Gardez les d'abord. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, je lis au nom de Jésus. Car la prédication de la croix
est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Ah, c'est quel verset? Ça c'est... Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par quoi? Par la folie de la prédication. Donc la prédication, voilà la prédication. Vous avez compris la prédication? Oui. Voilà. Donc venez dans, maintenant dans Romains 7, verset 25. Abattu, verset 25. Romains 7, abattu, verset 25. Romains chapitre 16 à partir du verset 25. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations. C'est la prédication de l'évangile. C'est d'abord une révélation, une inspiration. Et porter à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous allons lire maintenant Galates 3, à partir du premier verset. C'est encore une autre explication que je vais vous donner ici. Galates 3, à partir du premier verset au verset 2. Galates chapitre 3, du verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Voilà. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Qui comprend ça? À l'évaluation, qu'est-ce que nous devons prêcher alors? Est-ce les œuvres de la loi ou la prédication de la foi? C'est la prédication de la foi. La foi. La parole de la foi. Voilà. C'est de la parole de la foi qu'il y a la nouvelle naissance. C'est de la parole de la foi qu'il y a la repentance. C'est de la parole de la foi qu'il y a la justification. C'est de la parole de la foi qu'il y a l'abandon du péché. Mais c'est Christ qui est le fondement. Quand tu ne mets pas Christ devant ton évangélisation, c'est comme si tu prêches toi-même. C'est quoi la parole dit? Qui ne prêche pas lui-même. Il ne se prêche pas. Mais il prêche Christ crucifié. Ressuscité, scandale pour les païens, folie pour les juifs. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, nous sommes en train de comprendre clairement que ce n'est pas la prédication de la loi, des œuvres de la loi. C'est à l'évaluation là. Notre but n'est pas aller parler des choses à faire ou à ne pas faire d'abord. Non. Notre but, c'est d'aller prêcher l'évangile. Laissons-nous conduire par l'esprit. Prêchons. Mais ce n'est pas une liste de choses qu'on va citer. Là, on sera comme les... Comment on les appelle? Pardon? Oui. Vous voulez dire? Répondez. J'ai entendu quelqu'un répondre là-bas. C'est-à-dire, si tu vas vers l'évangélisation, il n'y a pas, j'ai dit ça le matin, il n'y a pas une forme d'évangélisation théologique où il y a un message forcé qu'il faut dire. Non.
Laissons vous conduire par l'Esprit. Prêchons Jésus-Christ. Et là, l'Esprit de Dieu nous conduira. Et c'est là où il y aura les miracles. C'est là où il y aura les guérisons. Mais quand tu vas vers la personne, tu commences à le juger. Comment son esprit sera disposé? Voilà pourquoi nous ne faisons pas les miracles sur l'évangélisation. Tu scandalises la personne. Au lieu d'utiliser, tu vois la chose. Tu vois la chose sur lui. Utilise la sagesse. Quand il aura la puissance de Dieu, quand la puissance de Jésus se manifestera dans sa vie, là, il comprendra qu'en réalité, quand il va croire en ton Dieu, là, c'est là maintenant qu'il comprendra que il comprendra facilement ce que tu lui diras. Nous avons la sagesse. Je vous dis la vérité. Sinon, ce n'est pas bien pour que nous puissions perdre les âmes que Dieu nous donne. Dieu nous donnera toujours sur notre chemin des âmes à gagner. Il enverra toujours des âmes. Mais c'est à nous de bien les prêcher. C'est à nous de bien s'aimer dans leur vie pour qu'elles soient sauvées. Si tu vas, parce que la plupart, il est un homme animal. Il n'est pas le Saint-Esprit. Comme toi, pour comprendre les choses que toi tu as compris facilement. Imagine, ces choses, c'est après 10 ans de ta foi que tu as compris ça. Ou bien, il y a des choses que nous connaissons aujourd'hui dans la Sainte Doctrine que nous ne connaissons pas. Nous, il y a 20 ans, quand nous étions en Christ, il y a 10 ans, nous avons grandi dans tout ça, mais le Seigneur ne nous a pas envoyé en enfer. Non, disons la vérité. Ou bien nous étions livrés en enfer. Nous étions servis Dieu, mais nous n'avions pas la révélation sur le dépouillement, sur beaucoup de choses. Mais là que le Seigneur nous a révélé ça, comment allons-nous faire concernant ceux qui sont même païens, qui ne sont même pas chrétiens comme nous? Nous, on était chrétiens, mais on ne savait pas ces choses. Avant d'être aujourd'hui dans la Sainte Doctrine. Eux sont dans le monde. Eux ne connaissent rien de ça. Qu'allons-nous faire concernant ces personnes? On doit leur dire la vérité. Oui. Mais d'abord, la vérité n'est pas d'abord ça, c'est d'abord Jésus. Et quand nous prenons Jésus là, Jésus a des principes. S'il n'a pas Jésus, comment il va pratiquer les principes de Jésus? Il doit connaître Jésus d'abord, se repentir de sa vie. Et là, il y aura le fruit de la repentance pour qu'il commence à enlever ces choses. Parfois, nos actes créent de la colère. Or, on dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais c'est la loi qui produit la colère. Donc ça montre que si tu prêches un message qui produit la colère sur place, fais attention. Parce que là, comment il va se disposer pour que tu guérisses? La personne peut être malade. Et tu vas dire non, lui il est malade, on veut prier pour lui. Il prend raison comme ça. Non, c'est la méthodologie que tu as utilisée. Gloire à Jésus. Que la gloire soit due à Jésus. Nous continuons. Voilà. Voilà. Donc, voilà. 1 Thessaloniciens 2, verset 3. Commencez par là. Car. 1 Thessaloniciens 2, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la faute. Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Nous ne devons pas prêcher avec un. Je vous l'ai dit, qu'il faut connaître la parole avant d'évangéliser, pour ne pas faire des erreurs sur le terrain. C'est pourquoi ne aimez les enseignements. Méditez la parole toujours avant d'évangéliser. C'est pas le jour de l'évangélisation, il faut le faire. Chacun médite à la maison et vient. Aller sur le terrain là, Dieu va te rappeler ce que tu as médité. Et tu vas commencer par communiquer aux autres. Tu peux les parler de n'importe quoi qui vient dans ta pensée, conduit par l'esprit, pourvu que ça soit accompagné du fruit de l'esprit. Mais, selon que Dieu nous a jugé dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons. Non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu. Celui qui prêche l'évangile ne prêche pas pour plaire aux hommes. Il dit la vérité. Il ne voit pas la face de la personne. Mais pour plaire à Dieu, là, pour plaire à Dieu, il va avoir le fruit de l'esprit. Il ne doit pas prêcher l'erreur. Il ne doit pas prêcher par faute.
Mais pour plaire à Dieu qui sont dans nos cœurs. Le verset dit pour plaire à Dieu. Jamais. Dieu qui fait quoi? Qui sont dans nos cœurs. Dieu seul sont nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous avons prêché l'évangile de Dieu. Alléluia. Voilà, prêché l'évangile. Vous voyez, tout ça, c'est le comment. Ça, c'est la prédication. Donc, le Seigneur, pour la prédication, laissez-vous conduire par l'Esprit. Voilà. Même si le Seigneur vous explique quelques versets, vous pouvez mettre dans votre préparation. Mais c'est une inspiration qu'on reçoit. Et on ne prêche pas inspiration. Pourvu que nous ne débordons pas dans l'erreur doctrinale. Quand nous sommes dans l'erreur doctrinale, le Seigneur n'est pas content. Ça ne plaît plus à Dieu. Mais ça plaît aux hommes charnels. Et les gens vont attendre. Mais Dieu n'est pas content. Donc, nous venons de finir avec la prédication. Qui a compris la prédication maintenant? Gloire à Jésus, alléluia. Maintenant, nous sommes maintenant sur l'enseignement. L'enseignement, je cherche une image que j'avais sous-regardée, que j'avais fait présenter sur l'enseignement pour vous montrer. Qui peut me donner la définition de l'enseignement? C'est quoi l'enseignement? Quelque part toujours. Voilà, j'ai trouvé. Enseignement. C'est quoi l'enseignement? Papa, toujours papa. Non, non, non. Voilà, je fais. Voilà. Après toi aussi. L'enseignement, c'est la prédication de la parole de Dieu. Mais cette fois-ci, dans les détails, c'est en quelque sorte la parole est le lait, la nourriture est solide. C'est aussi le lait. Le lait, la nourriture solide. Jésus aujourd'hui, on a révélé que Jésus a prêché, il donnait la parole. Mais les gens ont encore faim. Donc il les avait donné le lait. Il ne les avait pas donné du pain. Ce qu'il avait dit, c'est la parole. Donc le lait, c'est la parole. Mais le pain, c'est aussi la parole. Voilà. Alléluia. L'enseignement, selon moi, ça dit, c'est faire connaître à quelqu'un ce qu'il ne connaissait pas, mais qui est réel. Ça dit la parole de Dieu. Ça dit lui faire révéler la connaissance de la parole de Dieu dans sa profondeur. Mais disons que la personne connaissait ça, mais il ne savait pas ce qui est derrière. Ça dit ce qui ça signifie spirituellement. Ok. Amen. Gloire à Jésus. L'enseignement, vous notez, non? Vous pouvez noter. Vous voyez, quand quelqu'un prêche là, il prêche bien, non? Il prêche. Mais il n'enseigne pas. Alors, l'enseignement viendra éclairer, interpréter, expliquer la prédication. Voilà l'enseignement. L'enseignement vient, celui qui prêche, il parle, il explique. Oui, c'est bien. Il communique et ça sauve. Mais quand la personne vient là, l'enseignant viendra expliquer ce qui avait été dit par prédication pour que ça soit comme un fondement, une base dans sa vie. Donc l'enseignement est l'interprétation. L'enseignement, c'est l'interprétation.
L'enseignement, c'est l'interprétation, c'est l'explication, c'est l'argumentation. C'est en français, on nous appelait le test. Je vous explique ceci. La prédication, c'est un test narratif. La prédication est un test narratif. On a la vie de Christ. C'est ça. On parle seulement. C'est comme une histoire. On communique. C'est bien. C'est bien. Ça touche, non? Ça touche. On s'accuse très bien. Mais l'enseignement, c'est un test descriptif. Descriptif hein, et aussi argumentatif. Explicatif. Quand même que celui qui prêche aussi fait une description. Parce que celui qui prêche donne un test narratif et aussi descriptif. Vous n'avez pas compris. Quand tu prêches, tu narres quelque chose. Mais quand tu narres, tu décris aussi. Qui on décrit dans la prédication? On décrit la personne de Christ. Donc la prédication est d'abord la narration d'une parole inspirée qui vient du ciel. Mais aussi la description de la volonté de Dieu pour les personnes. Mais ce n'est pas encore parfait. L'enseignement est un test descriptif aussi. Parce que l'enseignement décrit. Mais dans l'interprétation, l'enseignement débute là où la prédication a perdu vraiment sa force. Là où la prédication s'arrête, c'est là l'enseignement commence. Donc l'enseignement commence par la description, puisque c'est à la description que la prédication s'arrête. La prédication décrit Jésus, c'est bien. Décrit ce qu'on ne doit pas, c'est-à-dire le péché, tout ça, pour que nous puissions croire en Jésus. C'est bien ce que la prédication fait, à la fin. Parce que c'est deux choses, narration, description. Mais il y a des limites dans la prédication. La prédication ne peut pas expliquer en détail. Celui qui prêche, lui, communique l'explication et ça reste. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Mais celui qui enseigne viendra continuer la description pour entrer dans l'interprétation. C'est dans l'interprétation que nous parlons de l'explication et de l'argumentation. Donc dans l'enseignement, il y a un sujet. On donne les causes, les conséquences, les avantages, les inconvénients. On donne les caractéristiques, les attributs, tout ça. Vous notez? Maintenant, on donne tout ça, mais aussi on a une thèse qu'on développe dans l'enseignement. Et c'est avec des arguments. C'est ces arguments que nous appelons quoi? Nous appelons les quatre langages. Les arguments viennent pour expliciter la thèse. Pourquoi nous avons dit ça au début? Pourquoi Jésus est le rocher? Enseignement. Jésus est le rocher, oui. Alors, donc, la prédication dit, tu prêches, tu dis, Jésus est le rocher, reçois Jésus. Nous devons abandonner toutes choses. Parce que pour aller aux eaux, pour aux eaux vivre, parce que c'est aux eaux vivre que nous recevons l'eau de la vie. Parce que Jésus est le rocher. Donc, et l'eau qui sort du rocher, c'est aussi Jésus. Ça, c'est la prédication. Tu prêches et tu communiques les révélations. Simplement, c'est expliqué. Ça, c'est la prédication. Mais l'enseignement dit, pourquoi dit-on que Jésus est le rocher? Comment est-il le rocher? Comment se manifeste-t-il en tant que rocher? Comment ma vie, je dois faire pour être aussi comme Jésus, qui est le rocher? Ça, c'est l'enseignement. Acclame le Seigneur Jésus. Vous voyez? C'est ça la différence. Celui qui évangélise ou qui prêche parle seulement. Il parle seulement. C'est pour qui prédication, lui parle. Mais celui qui enseigne ne parle pas, lui interprète les paroles. Lui prend la parole et commence à expliquer, interpréter. Il prêche et dit Jésus est le pain de vie descendu du ciel. Oui, c'est vrai, non? Mais l'enseignement ne dira pas seulement Jésus est le pain de vie. Pourquoi Jésus est-il le pain de vie? Comment est-il le pain de vie? Que symbolise le pain? Que symbolise la vie? C'est quoi la vie? C'est quoi le pain? Pourquoi c'est le pain on prend pour parler de Jésus? Pourquoi c'est la vie on lit à Jésus? C'est ça l'enseignement. Et c'est ça qui éclate. Waouh! Waouh! La prédication donne une nouvelle parole inspirée. Mais l'enseignement vient expliciter. C'est-à-dire vient
éclairé, détaillé. C'est pourquoi on dit que l'enseignement, c'est le détail. C'est pourquoi on dit que les docteurs sont dans les détails, les précisions. C'est ça l'enseignement. Donc, en tant que ministre de la parole, je dois être dans, je dois enseigner la parole. Je ne dois pas seulement prêcher la parole à l'église ou bien à l'évangélisation, mais je dois aussi enseigner. Mais ce n'est pas que le monde qui enseigne. Hein? Dans les trois colonnes, nous allons voir cela. Après, voilà l'enseignement. Je vous donne quelques versets dans l'enseignement. Je vous donne une définition que vous pouvez noter. Ça, c'est dans l'enseignement, il y a la doctrine. Tout enseignement n'est pas une doctrine. Tout enseignement en Christ n'est pas une doctrine. Mais la doctrine, c'est l'enseignement. Il y a aussi, c'est comme aujourd'hui, on a dit quoi? Que le ministère d'autorité est en même temps ministère de la parole. Mais tout ministère de la parole n'est pas un ministère d'autorité. C'est là nous disons encore ici que la doctrine, c'est un enseignement. Tout enseignement n'est pas une doctrine. Est-ce que vous notez les choses? La doctrine, c'est un enseignement. Mais tout enseignement n'est pas une doctrine. Tout enseignement n'est pas la doctrine, non. Tout, un enseignement peut être la révélation. Un autre enseignement peut être une prophétie interprétée. Un autre enseignement peut être une connaissance de la parole, sans être même la doctrine. La doctrine, quand on nous parle de la doctrine là, c'est quand nous voulons parler du salut. Vous me comprenez? Quand l'enseignement touche le salut de l'âme. Si l'enseignement veut donner une connaissance de la parole, ça c'est la parler par connaissance, ou une histoire, ou quelque chose. Ou bien une connaissance de la révélation sur la parole. Il y a quelque chose caché dans la Bible, tu veux comprendre. D'abord, ce n'est pas d'abord salutaire, mais c'est pour que tu sois éclairé dans la parole de Dieu. Et c'est quand tu vas être éclairé que tu seras sauvé. Que tu seras sauvé. Et c'est là que ça devient doctrine. Sinon, un enseignement peut être révélation, d'autres peut être rythme et doctrine, l'autre peut être interprété par prophétie ou l'autre par connaissance. Toute doctrine est un enseignement. Tout enseignement n'est pas une doctrine. C'est l'erreur que beaucoup font et prend les révélations pour en faire des doctrines. Mais certaines révélations doivent être des doctrines. Mais toutes les révélations ne sont pas, ne peuvent pas être des doctrines. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, ça c'est l'explication que je vais donner sur l'enseignement, c'est du point de vue doctrinal. Je sais pourquoi je vais donner ça. Parce que la doctrine, c'est aussi un enseignement. Mais cet enseignement, c'est pour le salut. C'est pour la vie éternelle. Encore demain, nous allons donner quatre types de définition de l'enseignement. Selon les quatre langages. Mais maintenant, comme nous sommes sur l'enseignement, au vu de toutes sortes de définitions qu'il peut y avoir sur l'enseignement, je vais donner d'abord la définition de la doctrine. Pour qu'on fasse la différence entre doctrine et enseignement. Enseignement prend en compte tous les quatre langages que je viens de citer. Mais doctrine est un point qui est différent, qui est dans l'enseignement, mais qui a une définition différente. Gloire à Jésus. Notez. La doctrine est une information. La doctrine est une information, virgule, une parole de la volonté de Dieu. La doctrine est une information, virgule, une parole de la volonté de Dieu qui doit être connue. La doctrine est une information, une parole de la volonté de Dieu qui doit être connue. Et pratiquée absolument. Et pratiquée absolument par les croyants. La doctrine est une information, une parole de la volonté de Dieu qui doit être connue. Ou pratiquée absolument par les croyants, afin qu'ils soient affranchis, afin qu'ils soient affranchis, ça suit, et sauvés pour la vie éternelle. Qu'ils soient affranchis et sauvés pour la vie éternelle.
et pratiquer pour qu'il soit affranchi, ou bien afin qu'il soit affranchi et sauvé pour la vie éternelle. Ça, c'est la doctrine. C'est ça. En Christ, hein, c'est pas la doctrine selon la loi des pays, non. Je vais lui donner. C'est ça, on appelle la seule doctrine en réalité. Vous comprenez? Voilà. Pardon? Pour être sauvé pour la vie éternelle. Donc, l'enseignement est un miroir. L'enseignement est un miroir. Là, je parle de 4 ans. Là, je parle de tous les niveaux d'enseignement. Ça, ce n'est plus la doctrine seulement. Ça, c'est l'enseignement qui est la révélation, l'enseignement qui est la prophétie, l'enseignement qui est la doctrine, l'enseignement qui est la connaissance. Je mets tout ensemble. Donc, c'est l'enseignement. Quand on dit enseignement quelque part, sachez que c'est l'un des 4 ou 2 de 4 ensemble ou 4, les 4 ensemble. Est-ce que vous comprenez? L'enseignement est un miroir, virgule, une lampe, virgule, un reflet de la lumière de Christ qui nous conduit sur le chemin de la vie. Vous me comprenez, je vous verrai ou pas. L'enseignement est un miroir, virgule, une lampe, virgule, un reflet de la lumière qui nous conduit sur le chemin de la vie. Ça, c'est la colonne, la deuxième colonne. Vous voyez que c'est au milieu. L'enseignement est au centre. Voilà pourquoi l'enseignement est la deuxième colonne. L'enseignement est au centre de tout. Il y a prédication, exhortation, mais c'est l'enseignement qui est au centre de tout. Parce que la prédication dit aussi son origine de l'enseignement. Par exemple, toi qui vas prêcher là, c'est l'esprit que tu as reçu, non? Mais ce n'est pas l'analogie de la foi. Ce n'est pas un enseignement qu'on a donné, que cette connaissance, cette inspiration t'a été donnée. C'est parce que tu as reçu un enseignement de Dieu qui t'a permis d'avoir des notions pour prêcher. Vous me comprenez? Celui qui exhorte aussi, exhorte à base de l'enseignement. C'est quoi l'enseignement? Est la vérité et la vérité. L'enseignement est la base et la hauteur. L'enseignement est la profondeur et la hauteur. L'enseignement est la longueur et la largeur. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'est bon? Voilà. Proverbe 6, verset 23. Soyons rapides. Nous allons finir bientôt. Parce que nous sommes en train de finir déjà. Donc. Proverbe chapitre 6, le verset 23. Je lis au nom de Jésus. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Voilà, l'enseignement c'est comme une précepte. Un précepte ou une lumière, c'est aussi comme les avertissements de la correction. L'enseignement dit, ne fais pas ça. L'enseignement est capable de dire les choses qu'on ne doit pas faire, les choses qu'on doit faire. L'enseignement va donner les interdits de la sainte doctrine et les éléments de la sainte doctrine. L'enseignement dit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Mais la prédication parle et révèle que c'est Jésus. La prédication ne dit pas d'abord ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Non. La prédication montre le chemin sur lequel nous allons passer pour aller vers le ciel. L'enseignement nous donne le chemin. Si quelqu'un reçoit la prédication plutôt, celui qui reçoit la prédication est en train de recevoir le chemin. Quand je prêche, je suis en train de montrer le chemin qui monte, qui mène au ciel. C'est ça, on parle de la description. Mais ça, c'est limite. L'enseignement aussi va me montrer le chemin qui mène au ciel. Mais l'enseignement, le but de l'enseignement, surtout, c'est la vérité. Révéler la vérité. Tous les contours de la vérité. Jésus qui est le centre de la vérité. C'est pourquoi d'abord, l'enseignement décrit aussi Jésus avant de dire ce qu'on doit faire pour être en conformité sa parole et ce qu'on ne doit pas faire pour être en conformité à sa parole. L'enseignement nous met en intimité avec le Saint-Esprit. Mais la prédication nous permet de croire en Jésus. Vous comprenez maintenant les choses? Voilà. Que la gloire soit due à Jésus. Nous allons lire notre verset.
Jean 8, verset 32. Vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. Nous connaissons déjà ça. Lisez-moi le livre de Jacques 1, verset 25. Jacques 1, verset 25. Jacques chapitre 1, le verset 25. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà, la loi parfaite. Ici, on parle de la loi de la liberté. Donc, l'enseignement a pour but de délivrer, de donner la liberté. L'enseignement a pour but de sauver. Quand on dit, on parle de prédication, on dit, on rappelle, on se rappelle du verset où Jésus dit, laissez le Seigneur au moins pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Ça, c'est la prédication. Il faut annoncer la lumière aussi. Ça, c'est la prédication, mais aussi l'enseignement qui donne aussi la lumière. C'est bon maintenant? Oui. Gloire à Jésus. Ça, c'est l'enseignement. Il y a le dernier verset sur l'enseignement dans 1 Corinthiens 14, 6. Demain, nous allons travailler sur ça. Mais néanmoins, recevez ça. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Ça, c'est l'enseignement. Quand il parlait là, ce n'est pas le parler en langue. Hein? Il parle ici de la parole. La parole de Dieu là, c'est une langue. Donc parlez pas quatre langages, c'est là, c'est ça l'enseignement, l'interprétation. Donc si quelqu'un doit enseigner, là, il doit connaître ces quatre langages. Comment ça se passe? Là, il sera un bon enseignant. Beaucoup ne connaissent pas ça. Ils font des erreurs doctrinales. Des bords, des rails. Créent des nouvelles doctrines ou qui ne sont pas dans la saine doctrine. Vous comprenez? Voilà. Donc ça, nous venons de finir avec l'enseignement. Maintenant, la troisième colonne qui est l'exhortation. L'exhortation aussi donne la vie. Pourquoi il dit la vie? La prédication donne la vie. L'enseignement donne la vie. Et l'exhortation aussi donne la vie. L'enseignement donne le chemin. L'enseignement donne la vie. L'exhortation donne le chemin. L'exhortation donne la vérité. Donc tout est mélangé. Vous comprenez? L'un dans l'autre, les trois sont liés, pas comme dit les colonnes, ils sont liés ensemble. Ils jouent presque le même rôle. Parce que, regardez, ici il y a trois colonnes. Les trois colonnes jouent le même rôle. Seulement que les fonctions sont spécifiques. Vous comprenez? Parce que les fonctions sont liées à leur nom. Ceci est colonne a un autre nom. Ceci a un autre nom. Ce qui est là-bas a un autre nom. Trois différents noms à cause de leur nature, à cause de ce qu'ils sont. Mais quand on est dans leur fonction, on voit que les rôles sont totalement différents. Seulement que le but, c'est de maintenir la paix. Vous comprenez? Gloire à Jésus. Donc, voilà. Donc, on est sur l'exhortation. L'exhortation. L'exhortation, c'est quoi? L'exhortation contribue. L'exhortation, c'est... petit que... c'est une motivation. Notez ça. C'est une parole de motivation. L'exhortation est une parole de motivation. D'encouragement. Aussi d'avertissement. L'exhortation est une parole de motivation, d'avertissement. Non, une parole de motivation, d'encouragement et d'avertissement. L'enseignement est l'avertissement, mais aussi l'exhortation est aussi l'avertissement. Mais l'exhortation est plus motivation. Toutes les exhortations que nous faisons, c'est pour motiver, c'est pour encourager. C'est pourquoi on le met à la dernière position. Pourquoi? Parce que c'est la vie. C'est le dernier niveau pour nous amener à la vie. Alors, quand la personne, on lui prêche là, on l'enseigne. Mais pour le maintenir dans l'enseignement, on fait quoi? On l'est.
exhorte. Donc, celui qui exhorte vient après celui qui prêche. Et celui qui prêche est celui qui enseigne. Mets une flèche comme ça. Donc, dans la croissance de la personne, de l'âme, c'est la prédication qu'il a menée à Jésus. C'est l'enseignement qu'il a gardé à Jésus. Par la vérité. Et l'invitation le conduit à la vie. Pourquoi? L'invitation lui rappelle les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi dans Jean 6, où quand les disciples posaient la question, mais à qui irions-nous? Tu veux nous laisser? Il dit, Pierre répondit, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, la prédication est l'ensemble des paroles de la vie éternelle. L'enseignement aussi l'interprétation des paroles de la vie éternelle. Mais l'invitation est l'ensemble de tout ce qui est prédication, enseignement, mais dans le but de motiver, de conduire, de booster la personne à atteindre la vie éternelle. Si vous comprenez maintenant. Donc, quand tu es exhorté, celui qui exhorte ne doit pas avoir une zèle amère. Donc, même au niveau de toi là, le zèle amère proscrit. Quand tu as le zèle amère là, on a l'exemple d'aujourd'hui, c'était clair. Celui qui exhorte doit avoir le zèle, l'amour pour motiver, pour rappeler. Un qui exhorte pour de rappeler les enseignements. Celui qui exhorte rappelle l'enseignement. N'oubliez pas l'enseignement qui a été donné. Dieu nous avait dit de faire ci dans l'inspiration. L'exhortation aussi nous rappelle les prophéties du Seigneur. Et ils nous disent, ne vous détournez pas. Gardez le cap. Maintenez-vous. Vous comprenez comment les coachs du monde font, non? Ils font des coachs dans sur les réseaux sociaux, tout ça. C'est ça qu'on appelle l'exhortation en Christ. Pour nous, c'est l'exhortation. Celui qui a le langage de l'exhortation, ou la colonne, celui qui manifeste la colonne d'exhortation, il est très humble. Très humble. Il exhorte. Avec amour, avec tendresse. Mais aussi révèle ce qui est mystère pour garder la personne dans la vie. Vous comprenez? Et avertit aussi. Lorsqu'on veut recadrer un enseignement, c'est l'exhortation qui fait ça. Ce n'est pas l'enseignement, c'est l'exhortation. En tout cas, il y a plusieurs branches dans l'exhortation. Tout ça pour nous maintenir dans la vie. Donc, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, Jésus est le chemin par la prédication, la vérité par l'enseignement et la vie par les exhortations. Acclame le Seigneur Jésus. Donc, quand je prêche l'évangélisation, je prêche là, je ne fais que révéler le chemin. C'est pourquoi on dit que la doctrine ne doit pas être enseignée à l'évangélisation. C'est quand vous voulez prêcher la doctrine que vous commettez des erreurs graves en jugeant les gens. Parce qu'eux ne sont pas à ce niveau. Révélez-leur le chemin seulement. Voici le chemin. Ne l'amenez pas à marcher jusqu'à atteindre ce niveau d'abord. Il va venir d'abord à ce niveau. Montrez-lui le chemin simplement. Et quand il connaît le chemin, il dit, j'accepte ce chemin. Je reconnais que Jésus est mort pour moi à la croix. Il est lié à sauver. Vous l'amenez, vous créez une plateforme, vous l'enseignez, il se dépouille. Vous allez voir, quand il croit en Jésus là, il n'y a plus rien qui peut l'amener. C'est là maintenant, vous allez commencer par lui parler de ces choses. Et il enlève. Et vous lui mettez l'enseignement, la nourriture solide. La parole pour vivifier sa vie. Et là, pour le motiver à être toujours dans ce cap. Que la gloire soit due à Jésus. La gloire du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. C'est clair? Ça, c'est l'exhortation. Donc, moi, je vais vous donner quelques versets sur l'exhortation. Voilà. Romains 12, verset 7 à 8. Romains chapitre 12, le verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. En tout cas, dans le séminaire, rappelez-moi, on parlera de la présidence du culte aussi. Si le Seigneur vous rappelle, on va parler du sens. L'enseignement qu'on donne, ce n'est pas pourquoi vous allez ouvrir des cellules, un département du réveil. Vous me comprenez? Oui. On ne vous donne pas ces enseignements pour faire la rébellion. C'est pourquoi les ministres déjà, vous connaissez déjà les appelés qui sont venus. Et les ouvriers qui sont déjà là. Et vous allez prendre leur nom pour surveiller. On ne donne pas ces enseignements
pour que vous allez commencer par ouvrir et quitter l'assemblée des saints. Non. C'est compris, hein? Ou bien? Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Romains 12, versets 7 à 8, je lis au nom de Jésus. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc chacun a son rôle dans l'église, dans le ministère de la parole. Celui qui prêche, celui qui est dans le ministère, il est dans le ministère et à son poste. Celui qui est parmi vous est appelé à la prédication. Ah, c'est le frère Luc. Acclame Jésus pour sa vie. Alors, vous tous, vous êtes appelés à la prédication. Mais vous, il est déjà consacré pour ça. Vous voyez, il y a d'autres qui sont appelés pour la présidence. D'autres à l'exhortation. C'est comme ça dans le corps de Christ. Tout ça, c'est le ministère de la parole. Est-ce qu'il est un ministre d'autorité maintenant? Mais il prêche, non. C'est parce qu'il a, il est ministre de la parole. Sans être ministre d'autorité. Donc, il doit être soumis au ministère d'autorité. C'est comme ça. C'est, chaque chose, c'est étape par étape. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Que donc, celui qui c'est bon, c'est bon. Président, si on parlera de. Rappelez-moi ça. Ou soit un autre jour. Mais rappelez-moi ça. Après. Ça peut être dans le séminaire. Je peux vous revenir sur ça. Okay. Un autre verset. Hébreux 13, verset 22. Hébreux chapitre 13, le verset 22. Je lis au nom de Jésus. Je vous prie, frère, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Ok, c'est clair. Ok. Hébreux 12, verset 4 à 5. Hébreux 12, verset 4 à 5. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. C'est l'exhortation. 1 Timothée 4, 13. Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Alléluia. Amen. La lecture aussi est importante. Tous les ministres de la parole doivent être dans la lecture, dans la méditation et dans l'enseignement. Mais tout le monde n'est pas appelé à l'enseignement. Si on y aura des ordres. Nous allons venir sur ça. Gloire à Jésus. Donc voici les trois dont l'enseignement, l'exhortation aussi, c'est une colonne. Donc c'est tout cela que l'Église fait, on l'appelle la colonne la plus de la vérité. Si l'Église n'est pas dans ces trois choses, elle ne le fait pas réellement, elle n'est pas la colonne la plus de la vérité. Ou soit, non, elle ne met pas dedans. C'est ça. C'est ça qui fait de l'Église la colonne la plus de la vérité. Donc faites comme ça. Faites donc comme ça. Donnez-moi le bleu. Vous mettez ici enseignement. Comme ça. Vous faites comme ça. Vous mettez ici. Prédication, enseignement, que vous faites votre flèche, exhortation. Vous comprenez? Gloire à Jésus, dont la semaine est au centre de notre vie chrétienne. La prédication est la gauche de notre vie chrétienne. Et l'exhortation est la droite de notre vie chrétienne. Et Jésus est au centre de notre cœur par l'enseignement.
il est à gauche de notre vie par la prédication et il est à droite de notre vie par les états. Et les trois formons Christ qui est à la base et à la hauteur. Et Christ est à la base et à la hauteur, fait en sorte que nous sommes des colonnes. Et l'église est une colonne. Voilà. Wow. Maintenant, nous allons entrer dans la révélation de la parole. Depuis, nous ne sommes pas entrés dans la révélation de la parole. Depuis, ce n'est pas encore. C'est l'enseignement. Ce n'est pas connaissance que nous étions en train d'enseigner. Depuis jusqu'à présent, nous avons enseigné par connaissance, par doctrine. Quand nous parlons du salut, de l'évangélisation, ce qu'il faut prêcher tout ça, c'est la doctrine. Parce que dans la doctrine décide des conditions qu'il faut, dans lesquelles il faut se mettre. Tout ça, c'est par connaissance. Mais par révélation, nous allons comprendre ce qu'est les trois couleurs. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Allons-y dans Galates. Galates 2, le verset 8 à 9. Ici, nous voulons entrer par la révélation. Vous allez voir que la révélation est totalement différente. C'est quelque chose caché qu'on révèle. Vous voyez, Galates chapitre 2, le verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Qui parle ici? Paul. Il a reconnu la grâce que Dieu l'a donnée. L'apôtre Paul était l'apôtre qui a parlé de plus du salut par la grâce, de la dispensation de la grâce et des révélations pas possibles sur les mystères du royaume des cieux. L'apôtre Paul. Mais avant lui, il y avait des apôtres, non? Voyez ce qu'il a dit. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes. Donc, qui? Des colonnes. Qui sont les trois colonnes? Jacques, Cephas et Jean. Acclame Jésus. Alléluia. Jacques, Cephas et Jean. Donc Paul est un père de la foi. Mais il a reconnu que lui n'est pas une colonne. Il est juste un prédicateur. Avant lui, il y a trois colonnes. Pourquoi les trois colonnes? Dans le ministère de Jésus, c'est les trois qui sont transportés à la transfiguration. C'est à ces trois que Dieu va révéler le mystère, même avant l'arrivée de l'apôtre Paul. Jésus veut aller dans les lieux secrets, il les amène. C'est eux que Jésus a amené dans le lieu secret. C'est eux que Jésus a amené et révélé les choses secrètes, mystérieuses. C'est quoi? Quand Jésus veut prier quelque part, il les amène. Il avait les autres aussi, mais parfois, dans l'intimité, c'est les trois. Pourquoi les trois? Parce que c'est toujours les trois colonnes qui opèrent et qui forment une seule colonne. Alors, parmi ces trois colonnes, à une colonne, on a donné quoi? La prédication. À l'autre colonne, on a donné l'enseignement. Et à l'autre, on a donné l'exemple. Ah! Attends, Jésus. Ça, c'est la révélation. Pourquoi est-ce que la révélation est différente? Alors, qui est la colonne de la prédication? L'apôtre Pierre. Qui est la colonne de la prédication? Donne-lui le micro pour qu'il dise. Qui est la colonne de la prédication? La colonne de la prédication, c'est l'apôtre Pierre ou Cephas. Pourquoi on dit que c'est l'apôtre Pierre? Parce que au jour de la Pentecôte, il s'était mis à prêcher et 3000. Alléluia! Gloire à Jésus! C'est Pierre qui est la colonne de la prédication. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si nous voulons prêcher vraiment par le Saint-Esprit, nous devons nous soumettre à l'exemple de Pierre. La manière dont Pierre prêchait, c'est pour ça que nous aussi nous devons prêcher. C'est Pierre, il avait l'onction de prêcher les mystères de Christ. Il est très bien dans la prédication. Malgré ça, Paul est très fort, hein, que lui-même est. Mais on n'a pas dit que Paul est dans les colonnes. C'est ça l'humilité. Et Paul, malgré qu'il ne soit pas mentionné parmi les trois colonnes, parce que Paul, lui, il a vu Jésus par révélation. Eux ont vu Jésus par la révélation du mystère de la piété. Eux ont vu Jésus, oui, c'est par révélation, mais pas dans un corps physique. Mais Paul, lui, l'a reçu par révélation d'une manière spirituelle.
Donc Paul a reçu quelque chose de grand, grand, grand. Mais eux là, eux l'ont vu physiquement. Donc Paul se soumet aux trois. Pierre, Jacques et Jean. S'efface Jacques et Jean. Acclame le Seigneur Jésus. Donc nous, et ces apôtres vont dire, imitez-nous. Pierre, on lui donne la clé du gloire dessus. On lui donne en tant quoi? On lui dit que tu es Pierre, et c'est sur toi, Pierre, que je bâtirai mon église. Donc c'est par lui que tout a commencé. C'est pourquoi c'est lui le premier qui a prêché. Or c'est la prédication qui commence. Qui parle la prédication que les choses commencent. Dans Acte 2. Il a prêché le roi aussi. Donc si vous voulez être des puissants prédicateurs, soyez remplis du Saint-Esprit, mais à l'exemple de Pierre. Alléluia. Amen. Wow. Maintenant, qui est la colonne parmi les trois, Pierre, Jacques et Jean, qui est la colonne de l'enseignement? Oui, qui veut répondre? Oui, donnez vos frères. Acclame Jésus. Jean est la colonne de l'enseignement. Pourquoi on dit que c'est Jean qui est la colonne de l'enseignement? Et c'est à Jean que l'Esprit de Dieu a révélé les profondeurs de Dieu selon l'Apocalypse. Non, ce n'est pas un enseignant. Non. Il peut avoir le don d'enseignement aussi, mais c'est Jacques qui est la colonne de l'enseignement. Nico, je vais vous expliquer pourquoi. C'est Jacques qui est la colonne de l'enseignement. Mettez Pierre. Ici, vous voyez, je ne sais pas où il vient de laisser le vide. Mais ce n'est pas grave, mettez Pierre quelque part. Donc vous devez effacer et donner d'espace à chaque fois. Et mettre en bleu. Vous voyez, quand vous mettez Pierre en parenthèse, vous fermez. Pierre, prédication. Donc, je dois imiter qui? La prédication de Pierre. C'est le Saint-Esprit, mais eux nous disent de les imiter. Donc c'est parce qu'ils ont dit de les imiter que nous allons les imiter. Parce qu'ils sont nos colons. Non. Paul s'est humilié à eux. Quand il allait à Jérusalem, il est parti réfléchir devant eux. Pour recevoir la grâce que tu as mis dans leur vie. Malgré l'onction que Paul a reçue. Paul est allé s'humilier devant les colonnes. Donc, dans chaque mouvement, il y a des colons. Mais dans la colonne, ou bien dans l'édifice qui forme l'église, les trois colonnes sont prédication, enseignement, exhortation. Mais les trois colonnes que Pierre, Paul est allé honorer à Jérusalem sont Pierre, Jacques et Jean. Mettez Jacques. Allez dans Jacques 3:1. Jacques était quelqu'un qui maîtrisait l'enseignement. Très bien. Il maîtrisait l'enseignement. Et il affectissait sur ceux qui enseignaient. Ça montre que lui-même est un enseignant de la parole. Jacques chapitre. Il est un exemple pour nous dans la parole. Parce qu'il va révéler le mystère même de quoi? Le mystère même de la foi et du salut. Pas les non. La foi, le mystère de la foi. Et l'assurance du salut plutôt. Il va révéler cela. Et il va aussi révéler la langue, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il va nous donner des conseils sur l'enseignement que nous devons donner. Jacques 3:1. Donc c'est un modèle pour nous. Un modèle pour nous dans l'enseignement. Quand nous enseignons, rappelons-nous de Jacques. Si nous rappelons de Jacques, nous allons diminuer notre c'est la mer. Donc c'est lui qui parle du c'est la mer. L'enseignement ne détruit pas, mais l'enseignement corrige et perfectionne. Jacques chapitre 3, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Ah, donc ça montre que lui maîtrise. Et il va dire aux jeunes gens, attention, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est bon? Amen. Jacques 1, c'est ça, c'est là où dit la vie et la mort sont pouvoir de la vie. Cherchez le verset, s'il vous plaît. Vous n'avez pas trouvé dans Jacques 1? Non.
Normalement, vous devez avoir une... En même temps, si vous lisez la parole, vous répétez les versets en même temps, vous me donnez. C'est un moment d'échange. Non. C'est pas ça, c'est pas ce qu'il veut. Il a dit la langue est le siège de l'iniquité. Le siège de l'iniquité. C'est ce verset. C'est le proverbe, c'est le roi. C'est proverbe qui dit que la vie et la mort sont au poids de la langue. C'est pas ça le veut. Il dit quelque part que. Il parle de ça, non? Frère Jamais. Vous pouvez trouver. C'est toujours le verset 3 qui continue. Il y a la fête. Jacques 3, 6. La langue est aussi est un feu. Voilà. Non, commencez par le président. Le président dit quoi? Le président. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Ah, la Bible dit que c'est la parole qui est un feu. Donc l'enseignant de la parole doit vérifier, doit faire attention à ça. C'est pourquoi Jacques est un exemple pour vous les enseignants. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéenne. Oui. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture? L'eau douce, c'est la sagesse. Pour enseigner, là, il faut remplir de sagesse. Pour enseigner la parole, je vous dis la vérité. Si tu ne parles pas la sagesse, c'est pourquoi il dit attention. Parce que lui, il a découvert la sagesse. Lui, il était un enseignant rempli de paroles de sagesse. C'est pourquoi si tu es enseignant, tu enseignes la parole de Dieu là. C'est vous tous, hein. Vous êtes appelés un jour, même les appelés simples sont appelés un jour à enseigner. Les ouvriers aussi sont appelés un jour à enseigner. Soyez remplis de sagesse. Si vous avez le micro, vous prêchez Jésus. Soyez remplis de sagesse. Sinon, vous allez faire des dégâts. Détruire même la doctrine de Jésus. Par le ciel. Amen. Donc, lui, c'est un bon enseignant. C'est lui que Dieu va utiliser comme un collant pour nous dans la Bible. Il y a des docteurs de la Bible. Plein de docteurs. L'apôtre Paul est aussi un docteur. D'autres aussi sont des docteurs. Mais il va prendre l'exemple de Jacques pour vous parler. Alléluia. Quoi qu'il soit un apôtre de ministère, mais lui, l'onction qui travaille avec lui, c'est l'enseignement de la parole. Mais dans la sagesse. Lui, c'est la sagesse. Il a découvert la sagesse. C'est bon? Oui, c'est bon. Jacques 2, qui parle de la mer, à partir du verset 16. Jacques 2, à partir du verset 16. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix. Jacques 3, partie du verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute. Commencez pas le haut, là où il a commencé. Verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? C'est un enseignant qui parle comme ça, vous voyez? C'est pourquoi moi aussi je parle de la sagesse. Or c'est l'esprit qui anime l'enseignement de la parole. Si tu ne peux pas enseigner sans avoir la sagesse, c'est pourquoi même nous, Jacques va encore dire, c'est lui qui va encore dire que nous devons demander la sagesse. Celui qui n'a pas la sagesse, qu'il doit demander la sagesse à Dieu. Moi, le Seigneur m'a dit il y a quelque temps d'aller aux eaux profondes. Parce qu'il y a un temps j'avais un zèle amer. Il m'a dit d'aller aux eaux profondes. Et c'est là-bas qu'il est allé me briser. Il a brisé le zèle amer. Et c'est là qu'il a commencé à me donner des enseignements de sagesse pour que le zèle amer disparaisse. Ce n'est pas une vérité que je vous le dis. Cela, je ne suis pas dit que moi, mais je suis accepté. Auparavant, je faisais ça. Et ça ne rapporte rien. Mais aujourd'hui, j'ai vu que quand j'ai obéi au Seigneur par rapport à ça, ma vie a changé. Mon ministère a totalement changé. Et aujourd'hui, je peux dire que quand je parle, c'est l'esprit qui parle. Avant, c'est l'esprit qui parlait.
Mais avec le ciel, amen, il y a un mélange entre le désordre et la vérité. Tu as la vérité, mais tu parles avec ton zèle, amen. Donc, si vous avez le zèle, amen, vous n'êtes pas ministre de la parole, mais ministre de la condamnation. Vous condamnez tout. Mais quand vous avez la sagesse, c'est le renouvellement de l'intelligence. Vous pouvez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, Jacques va dire, si quelqu'un manque de la sagesse, ce n'est pas une honte de dire que j'avais manqué de sagesse auparavant. Mais si tu reconnais qu'à un moment, tu as manqué de sagesse, va aux eaux profondes. Et Dieu va augmenter ta sagesse pour que tu grandisses et parviennes à une nouvelle dimension. Acclame le Seigneur Jésus. Il y a des missions que Dieu va te donner. Si tu n'atteins pas le degré de sagesse, mais si tu n'atteins pas un degré de sagesse, il ne te confiera pas les grandes choses. Il te verra comme un petit, un bébé spirituel. Mais s'il te donne, commence à t'enseigner la sagesse, humilie-toi. Tu vas voir que quand la sagesse va arriver là, tu vas penser comme c'est la théologie ou c'est des raisonnements. Non, c'est l'intelligence pour discerner. Et c'est elle, cette sagesse même, qui enlève les pensées charnelles, qui détruit la philosophie, les raisonnements. Et quand tu finis de découvrir la sagesse, c'est là maintenant que les choses qui étaient pour toi inquiètes deviennent comme de la boue pour que tu gagnes Christ. L'apôtre Paul avait le zèle amer. Il servait Dieu. C'est Dieu lui servait. Pour lui, c'est Dieu. Mais il servait Dieu avec un zèle sans intelligence, avec un zèle amer. Jusqu'à ce qu'il découvre Jésus sur le chemin de Damas et dit Je suis Jésus que tu persécutes. Ça montre que tu peux être serviteur de Dieu, mais persécuter Jésus. Je ne sais pas si tu. Ça dit. Ça, je ne sais pas, chacun doit se reconnaître dans ce que je dis. Tu peux servir de Dieu, mais persécuter Jésus par tes propres enseignements. Tu peux avoir la vérité, mais la manière de dispenser la vérité, personne ne t'écoutera. Pourquoi? Parce que tu as le zèle sans sagesse. Tu diabolises tout le monde, tu diabolises tout. Et lorsque Dieu te dit, va à l'école de la sagesse, va à l'école de la sainte doctrine, du Saint-Esprit, tu dois t'humilier et aller. Et c'est là qu'il va te t'apprendre beaucoup de choses. Et ça va changer ta manière de voir les choses. C'est là l'Esprit va t'amener, va commencer à te conduire à monter dans les hauteurs. C'est là les hauteurs. Pour aller aux hauteurs, on doit quitter l'air profond. Si tu n'as pas, tu ne peux pas faire profondeur là, tu peux pas monter. Si tu ne t'abaisses pas, tu ne peux pas être élevé. Donc c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Ça, c'est l'enseignement de la parole. Acclamons le Seigneur pour la vie de Jacques, la vie de Pierre, qui était puissant prédicateur, qui a sauvé 3000 âmes, suivant l'exemple de la prédication de Pierre. C'est notre colonne en ce qui concerne la prédication. Jacques est notre colonne en ce qui concerne l'enseignement. Il a dit le zèle sans sagesse, avec tout ce que mauvaise action. Lequel d'un voix sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Vous voyez, quand tu as le zèle amer, tu te glorifies. Tu as, c'est nous, c'est moi qui, je suis le seul, nous sommes les seuls. Non, oh, tu ignores que Dieu a encore d'autres personnes. Quand la sagesse vient là, ça brise, ça fait, ça casse. Tu reviens à zéro. Et c'est là que tu commences à nouveau. Tu vas dire, mais tu pensais être déjà. C'est comme quelqu'un qui est sur l'escalier. Lui-même s'est monté, il est allé au bout même de l'étage. Et on le prend, le descend. Et on dit, maintenant, commence à monter doucement. Parce que tu n'as pas pris les bonnes étapes au début. C'est quoi? C'est l'enseignement qui va te recadrer. C'est ça. Gloire à Jésus. Donc, à part prière, non, à part. Jacques, dans la révélation, est la colonne de l'enseignement. Et dans la révélation, c'est l'exhortation représente Jean. Et Jean, c'est toujours c'est la révélation qui continue. Mais Jean, c'est l'exhortation. Pourquoi? C'est clair. C'est pas l'apocalypse, ça c'est une prophétie. C'est les révélations qui tuent les choses passées, présentes, futures, dans le temps où ils voient. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement. D'ailleurs, même aujourd'hui, l'Apocalypse est difficile à plusieurs de révéler. D'autres enseignent. Donc ça montre que c'est une prophétie, c'est une révélation.
il doit être interprété. Jean n'a rien interprété. Il a juste dit ce qu'il a vu. Donc il n'est pas un enseignant. Un enseignant peut recevoir et interpréter. Mais celui qui transmet sans interpréter n'est pas un enseignant. Ou bien il peut être enseignant, mais là il n'a pas enseigné. Vous comprenez? Vous me comprenez tellement? Gloire à Jésus. Donc Jean, où Jean a exhorté? Lisez-moi Jean, 1 Jean 5:19. Vous allez commencer par voir les exhortations. Oh là là. Des exhortations. C'est ça qu'on appelle l'exhortation. Si vous voulez savoir comment exhorter, lisez les paroles de Jean. 1 Jean et 2 Jean. Hein? Jean chapitre 5, le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier. Avant d'exhorter, il n'a pas dit qu'il n'a pas jugé. Nous savons que nous sommes de Dieu. Il dit d'abord que tu es de Dieu. Et que le monde entier. Quand tu dis que tu es de Dieu, tu rappelles l'enseignement qui a été donné. L'enseignement dit que vous êtes de Dieu. Hein? Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Tu es la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné les enseignements. Maintenant, allez-y dans 1 Jean 4, 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en vous. Ça, c'est une motivation, oui ou non? Une motivation, oui ou non? Oui. Ça, c'est l'exhortation. Allez-y dans 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ici, c'est un avertissement. C'est l'exhortation. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça, c'est l'exhortation. 1 Jean 2, verset 18. 1 Jean 2, le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Exhortation. Colon dans l'exhortation. C'est Jean. Lisez maintenant. Oh, attends. 1 Jean 2, verset 12. 1 Jean 2, 12. Je dis. Quand vous voulez comprendre, c'est ça l'exhortation. L'exhortation rassure et encourage, fortifie. Et tu dis, waouh, tu es content dans ton cœur. Vous voyez? 1 Jean 2, 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vous voyez, c'est comment c'est tout. Alléluia. 1 Jean 2, verset 7. 1 Jean 2, 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Oui, l'enseignement que vous avez entendu. Il rappelle l'enseignement. Je vous ai dit que l'exhortation rappelle l'enseignement. Et dit, mettez en pratique l'enseignement. Ne n'oubliez pas l'enseignement. L'enseignement dit ça. Faites-ci et vous aurez la vie. Vous voyez, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. C'est-à-dire les trois colonnes, Pierre, Jacques et Jean. Prédication, enseignement, exhortation. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Il dit dans le verset, voilà, lisez 1 Jean 3, verset 7 à 8. 1 Jean 3, verset 7 à 8. Alléluia, je lis au nom de Jésus. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà, et l'exhortation. Ne pratique pas le péché. Hein? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. 1 Jean 1, verset 7 à 10. 1 Jean 1, verset 7 à 10. Je lis au nom de Jésus. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 2 Jean 7, verset 1 à 10 à 11. Citez rapidement. 2 Jean 7, verset 1 à 11. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Exhortation. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Il rappelle l'enseignement qui avait été donné, ou bien une prédication qui avait été donnée. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Mm-hmm. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine... Voilà, donc il rappelle l'enseignement. Il dit, il mêle à part les faux enseignements et les vrais enseignements. C'est là l'exhortation qui fait ça. Et il dit... Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Voilà. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà. 3 Jean 2. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Exhortation, motivation, souhait. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Acclame Jésus. Voilà les trois colonnes dans le ministère de. Quand je suis au tableau, approchez la caméra là. Les gens, vous pouvez laisser un peu le tableau, voilà la caméra, pour que les gens puissent vraiment nous voir. Voilà, donc un résumé. L'église, selon 1 Timothée 3,15, est l'appui et la colonne de la vérité. Voilà la colonne qui maintient l'église, qui maintient plutôt Jésus et son royaume. Qui est la vérité, qui est l'appui, la colonne qui appuie la vérité. Gloire à Jésus. Et j'ai dit que c'est une colonne unique, l'église est unique et une seule colonne. Mais dans la manifestation de cette seule colonne, c'est trois colonnes qui se manifestent. C'est-à-dire, ces trois colonnes, dans leur fonction, sont en train de représenter l'église qui est la colonne. Donc quand la prédication se manifeste, c'est l'église qui maintient la vérité. Parce que la vérité, la prédication aussi, c'est Jésus que la prédication révèle. Or, Jésus, c'est la vérité. Lorsqu'il y a un enseignement, c'est toujours la colonne qui est l'appui de la vérité. Donc, s'il y a une exhortation, c'est toujours la même. Et j'ai dit que dans l'enseignement, que l'enseignement est le centre de la vie chrétienne. La prédication est la gauche de la vie chrétienne. Et l'exhortation est la droite de la vie chrétienne. La vie chrétienne commence par la prédication dans les enseignements, descend sur l'enseignement et atterrit sur les exhortations. Mais quand on prêche, ce n'est pas une routine. Je peux venir faire une prédication, je peux venir faire un enseignement, je peux venir faire une exhortation. Ça dépendra de l'inspiration. Mais pour bâtir une vie, un esprit, pour sauver un esprit et une âme, pour sauver les âmes, on commence par la prédication avant de venir sur l'enseignement. Quitter l'enseignement pour venir sur l'exhortation. Mais nous commençons souvent par l'exhortation. C'est pas bien. Il n'a rien écouté, non. Tu lui dis, tu lui rappelles ça, non. On commence par la prédication. Nous, on ne commence pas par l'enseignement à une âme perdue. Quand tu commences par l'enseignement, tu vas dire des choses qu'il ne peut pas supporter. Tu vas lui dire des choses, des interdits. Lui-même ne peut pas, elle-même ne peut pas comprendre. Il faut d'abord lui prêcher Jésus. C'est ça la prédication. Quand il connaîtra Jésus, il va se repentir. Tu lui donneras des révélations, des mystères, des nourritures solides, le lait et le pain, la nourriture élémentaire, la nourriture solide. Vous comprenez? Les choses qu'il doit faire, il ne doit pas faire. C'est l'enseignement qui dit grâce à ça. Et l'exhortation lui rappellera la prédication et l'enseignement. Le but de la prédication, c'est de nous montrer le chemin qui mène à Jésus.
Jésus. Le but de l'enseignement, c'est de nous maintenir dans la vérité. Le but de l'explication, c'est de nous conduire vers la vie éternelle. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voici les trois colonnes du ministère de la parole. Les trois colonnes dans le ministère de la parole. Donc, voici les différences entre prédication, enseignement et exhortation. La prédication n'est pas l'exhortation. L'exhortation n'est pas l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Mais les trois sont des connaissances. Et ça, c'est une connaissance d'inspiration, une inspiration communiquée. Ici, c'est l'interprétation. Mais ici, c'est quoi? La motivation. Mettez ici inspiration. Interprétation. Motivation. Inspiration, voilà. Interprétation et motivation. La prédication, on ne prêche pas inspiration. C'est ça que nous faisons à l'évangélisation. On prêche seulement. On n'a pas une fiche. Est-ce que vous amenez une fiche? Non. Or, pour faire l'enseignement, on doit préparer une fiche, non? Pour être méthodique. Méticulé. Voilà. Oui, vous me dites ça. Pour être méthodique et méticulé. Voilà. Voilà. Effacez. Voilà. Photographe. Question. Apport. Oui. Non, on va commencer avec ça. Acclame Jésus. Nous sommes déjà à la fin. C'est vous-même qui voulez prolonger. Mais c'est pour votre édification. Oui, selon l'explication, et moi je vois que l'enseignement, c'est le saut de la prédication pour attester la prédication. Et l'exhortation, c'est pour fortifier quelqu'un, voilà. De toujours tenir Christ, voilà. Peu importe les difficultés ou bien le chemin. Voilà, gloire à Jésus. Alléluia. Je voulais poser selon l'explication que les bien-aimés, les nouveaux qui viennent, on les reçoit les dimanches après le culte là. Est-ce qu'on va aller avec la prédication ou bien l'enseignement? Okay. Selon votre explication, okay. Moi je vois que c'est la prédication. Okay. Non, c'est la prédication qui les a conduits à venir. Même si ce n'est pas vous qui l'avez fait là, au moins tu as utilisé quelqu'un pour l'amener. Quand il vient là, c'est l'enseignement. D'accord. Mais c'est d'abord le c'est pas d'abord le nous, la nous du souris. Les béabas, vous comprenez non? Les petits interdits, les choses, vous comprenez non? Ah oui. Avant d'aller sur les mystères. Au début là, on commence avec les mystères. Vous fondez sa foi sur Christ. On a fait boire le lait d'abord. Voilà. Et ces éléments sont dans Romains 6. Le renoncement aux œuvres mortes. Ah oui, le jugement. C'est les premières choses que vous avez données à une brebis qui vient à Christ. Le renoncement aux œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, la repentance, le jugement éternel, etc. C'est les béaba. Mais quand ils commencent à grandir là, on ne rappelle plus les béaba. On commence à monter dans l'enseignement pour qu'ils grandissent spirituellement. Ici, c'est apport une question en même temps. Gloire à Jésus. Par rapport à la manière dont nous avons connu ou bien la manière dont nous voyons maintenant l'exhortation, je me suis rappelé d'un passage de psaume où lorsque David était en train de glorifier le Seigneur et il disait que le Seigneur ne faillit jamais à délivrer par sa droite triomphante. Or, nous avons vu que l'exhortation, c'est la droite de la vie chrétienne. Et également, lorsque Job a eu les épreuves, lorsque ses amis sont venus lui parler, ils lui ont dit que voilà, c'est lui qui, avant, qui exhortait, qui fortifiait les autres. Et maintenant, dans la situation qu'il est,
la crainte, est-ce que la crainte de Dieu qu'il a ne peut pas lui permettre, voilà, de persévérer? Donc je vois en fait que la droite de Dieu dont David parlait, ce n'est pas simplement la puissance de Dieu, mais c'est également l'exhortation qui vient de le c'est la consolation. Quand on dit que le Saint-Esprit viendra nous, il nous rappellera les paroles que nous avions entendues. La vérité, c'est l'exhortation. Dans l'exhortation, c'est la consolation aussi. La motivation, la consolation, l'avertissement, ne pas tomber, à demeurer en Christ, tout ça, à marcher sur le chemin de la vie éternelle. Dans l'exhortation, nous rappelons, tu as déjà écouté tout sur les délices. C'est quand la Bible dit que vous avez goûté au don céleste, à tout là, c'est ça. Prédication, vérité, enseignement et exhortation. Si quelqu'un goûte à tout ça et abandonne Christ, il est perdu. C'est ça le péché qui a donné la foi. Si quelqu'un coupe la prédication, il est païen et il ne sait pas Jésus, il a renié Christ et il ira en enfer. C'est ça l'incrédulité et l'apostasie. L'incrédulité concerne les païens qui ont rejeté Jésus, ils vont en enfer. C'est quoi? Alors, je veux savoir dans quel domaine on va mettre ceci. Par exemple, si tu me fais quelque chose par amour, et qu'on te dit que, ah non, ne fais pas, ne fais pas. Les gens, ils font ça, mais ils détruisent. Et tu abandonnes. Pour nous sauver, tu dis que, bon, moi je vais abandonner. Par exemple, si je voyage et que je vois vraiment en souffrance, et je peux m'arrêter pour le prendre. Mais, on peut te dire ça, mais celui qui a continué dit non, ne fais pas, ne prends pas. Hein? Les hommes sont mauvais maintenant. Les gens sont mauvais maintenant. T'amener voilà, à l'amour. Et tu suis ça. Et tu es obligé de. Voilà. Vous pouvez pas répondre. Personne n'a entendu. Je vais éclaircir ça là. Dans le micro. Nous allons clôturer aujourd'hui. C'est ça que vous avez compris. Si vous avez tous compris, acclamez Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, voilà. Voilà. Ces gens-là, lorsqu'ils prennent ton argent, peut-être c'est pour aller. Voilà. Donc ils vont te faire alors que tu as une bonne volonté. Tu voulais donner. Voilà, à la personne, parce que tu as une compassion, voilà. Et voilà, quelqu'un va te conseiller. D'autre manière, bon, tu auras peur, tu ne sais pas. Tu sinon, moi, je donne souvent. En tout cas, moi, je ne veux pas savoir ça. Je sais que ça existe. Prendre la forme d'un ange. Les anges peuvent venir me voir pour ça, pour voir si je suis, j'ai la bienfaisance, si j'ai la libéralité. Donc, je donne, mais avant de donner, ce n'est pas les grandes pièces, hein. Une homme n'a pas besoin de donner des 5 000, 10 000 forcément. Non, non. Parce que quand tu les vois à l'heure, tu sauras quoi les donner. Qui se mettent, ou bien qui sont en problème sur une voie, et que tu passes, tu veux l'aider. Le bon samaritain. Non, nous devons faire peu de prudence. Le Seigneur peut te pousser à aider les personnes. Oui. Mais parfois, on n'est pas tout le monde. On doit être bien. Nous sommes comme des anges. Vous exercez le ministère en faveur de tout le monde. C'est ça. Oui, c'est bien d'aider. Je ne dis pas de ne pas aider pour que vous ne t'interprétez pas mal. Mais il y a certaines personnes, l'esprit même te dira à toi, ne le fais pas, laisse-le. Cela ne veut pas dire que tu l'as détruit, tu l'as laissé mourir. Non. C'est tellement que Dieu prépare une personne pour venir le sauver. Mais nous ne pouvons pas sauver tout le monde entier. Le peu que nous pouvons là, faisons ça. Sinon, tu peux, par manque de sagesse, vouloir aider quelqu'un qui va t'amener les grands problèmes. Peut-être qu'il a commis un acte dangereux, on le poursuit, les policiers le poursuivent, et c'est toi qui vas emprisonner à sa place. Que vous êtes complice. Donc, le Seigneur va te pousser à sauver certaines personnes. Mais certaines personnes, tu vas prier pour lui simplement et partir. Ou bien tu vas intercéder pour lui à la maison. Donc voilà l'enseignement de la soirée. Le bien-aimé, un point ou question. Oui. J'ai une question par rapport à l'enseignement qui a été donné aujourd'hui. Matin. Bon, ça va couvrir le matin de ce soir.
Ok, c'est par rapport au zèle amer. Nous savons bien que dans les ministères d'autorité, bon, les saints ministères ne prêchent pas de la même manière, mais ils revêtent sous Christ. Nous savons que les évangiles, souvent, bon, ils accentuent plus sur le péché. Bon, est-ce qu'à ce niveau, est-ce qu'un ministre peut juger l'enseignement de son prochain? Parce que, par exemple, le pasteur, il a compassion des âmes. Et quand l'évangile va commencer par prêcher, bon, de quelle manière... Je vais expliquer, ça c'est une mauvaise compréhension du ministère de l'évangéliste. Le ministère de l'évangile n'est pas pour parler du péché, mais c'est pour parler de Jésus. Tu comprends? C'est pour parler de Jésus. On dit évangéliste, il est évangéliste de quoi? Bon, non, nous. Le mot qui va me définir évangéliste? Un évangéliste, c'est un prédicateur de la bonne nouvelle. Il prêche la bonne nouvelle. D'abord, ce n'est pas le péché. Vous comprenez? Il vient pour prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, c'est dans la bonne nouvelle maintenant qu'il parle contre le péché. Mais si toi tu penses que l'évangéliste, lui, il est là à parler du péché, c'est faux, hein? C'est pas ça. Un évangéliste parle de Jésus-Christ. Il parle de Jésus pour que les gens puissent croire en Jésus et être sauvés. C'est en parlant de Jésus maintenant qu'il touchera des points que Jésus, les choses que Jésus lui-même avait dit. Quand Jésus prêchait là, Jésus dit, répentez-vous car le roi de Dieu est proche. Mais on ne peut pas parler de répentance, on parle du péché. Donc il parlera du péché, ça c'est normal. Mais tous les ministères vont parler contre le péché. Il n'y a pas un ministère qui ne parlera pas contre le péché. Tous les ministères parlent contre le péché. Mais dans la sagesse de Dieu. C'est ça, tous les ministères, ce n'est pas seulement le ministère d'évangéliste. Même les docteurs aussi, même les apôtres aussi. Tous les ministères, aucun ministère n'est là pour avoir un zèle amer. Est-ce que vous me comprenez? Tous les ministères parlent contre le péché, tous les ministères parlent de Jésus. Le but c'est de parler de Jésus et que le péché soit englouti totalement. Parfois, ce n'est pas ma compréhension de la sainte doctrine ou bien des ministères que nous parlons. Pensons que d'autres ministères sont appelés à d'autres choses. Non. Le but c'est de parler de Jésus et de dénoncer le péché pour libérer les pécheurs. Aucun ministère ne va juger les pécheurs. Parce que Christ ne nous a pas donné un ministère de jugement des pécheurs, mais de juger le péché. C'est le péché que nous devons juger. Donc si tu es apôtre, tu dois parler contre le péché. Tu dois parler contre le péché, ça c'est important. Révéler Christ d'abord. Si tu es évangéliste, c'est le même processus. Si tu es docteur, à tous les ministères. Parce qu'il n'y a pas un ministère particulier. Et on a donné la parole de réconciliation. À d'autres, on a donné la parole de division. Non. On n'a pas donné la parole de réconciliation ou bien de justification à d'autres et donné la parole de condamnation à d'autres. Aujourd'hui, on a vu que c'est tous les ministères de la parole, y compris le ministère doctrinal, évangélique, apostolique, prophétique et autres. Ce n'est pas ma compréhension. Tout zèle qui te pousse à commettre du désordre n'est pas un zèle pur, quel que soit le ministère. Est-ce que vous comprenez? C'est clair? C'est clair? Pardon? Ok. Vous avez compris cette question, mais il y a encore une compréhension que vous voulez. C'est bon? Je vais attendre de votre. Okay. C'est bon, c'est bon. Ok, gloire à Jésus. Bon, la seconde question, nous l'avons vu aujourd'hui que, en fait, ce que Christ demande de nous, ce n'est pas de condamner les âmes. Et l'apôtre Paul disait quelque part, lorsque j'étais enfant, je parlais comme enfant. Avant cet enseignement, d'une part ou bien d'une autre, nous aussi on condamnait les gens. Et je crois que nous qui avons suivi aujourd'hui, on aura à prendre plus de conscience par rapport à ce que nous allons dire. Maintenant, par rapport à nos frères et soeurs qui ne sont pas là aujourd'hui, bon, qui peut-être sont dans le zèle, amen. Comment on fait le. Non, l'enseignement est donné pour que vous puissiez les donner. C'est comme ça. Donc, c'est pas forcément d'ici. Ah, non. Où? Et les autres églises? Non, c'est pourquoi les missions sont organisées. Vous comprenez? Donc, ils ont leur part. Tout sera publié aussi sur la télévision et sur YouTube. Donc, eux aussi vont suivre. Les audios aussi vont être partagés. Donc, tout le monde aura ça. Si quelqu'un n'est pas libre, c'est vous aussi, vous êtes là pour donner, vous aussi communiquer aux autres. Vous comprenez? Donc, ils ont la chance de découvrir ça. C'est dans la Bible. D'ailleurs, même si nous ne prêchons pas là, c'est dans la Bible. Vous comprenez? C'est dans la même Bible que nous lisons tous, que ces choses sont. Mais pas manque de méditation de la parole.
ou bien pas mal de lecture, nous faisons l'erreur. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde, tout le monde a ça dans la Bible. Mais parce que nous qui sommes dans la scène, il y a un certain orgueil qui commence, qui parfois vient à nous. On dit, nous n'avons pas plus besoin de lire la Bible. Parce qu'on a, il y a tous les éléments de la sainte doctrine, tous les interdits de la sainte doctrine, et c'est bon. Et on se lance dans le monde sans connaissance, sans intelligence, et on fait des dégâts. C'est pas ce que le Seigneur veut de nous. Et le Seigneur veut nous amener très loin pour convaincre même les gens du monde à venir à Jésus. Donc nous devons être, avoir le bon fruit. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir le sel. Vous avez compris? On doit doubler même le sel. Le sel doit être multiplié. Ça ne veut, comprenez-moi bien. Le sel amer là, c'est le sel sans le fruit de l'esprit. Ça s'appelle le sel amer. Le zèle sans intelligence, c'est le zèle sans connaissance de la parole. Voilà. Gloire à Jésus. Oui, s'il vous plaît. La Bible est remplie d'un nom que on nous a prêché de ne pas utiliser. Mais maintenant, comment nous pouvons expliquer maintenant à nos frères, à nos sœurs, que Jésus-Christ n'est pas Jéhovah. Vous n'avez pas reçu les enseignements. Je sais bien. En tout cas, on va voir. C'est ça sort du cadre de notre séminaire. C'est ça. Donc, gardez ça, on va parler. On va avoir des méditations. Ça, ce n'est pas dans le cadre de la mission. Mais on va voir dans les jours de vie où on n'a pas d'activité, on n'aura pas d'activité. On va avoir des tables de méditation ensemble. Et si quelqu'un, on va annoncer à toute l'église, si quelqu'un veut, peut venir. Là, on va faire table ronde, on va méditer à ça. Là, on va penser pourquoi on va aller dans la Bible. Pourquoi on ne doit pas invoquer Jéhovah? Pourquoi? Vous allez poser toutes les questions sur les éléments de la sainte doctrine. Ça, ici, ce n'est pas d'abord les éléments. Mon poste donne des enseignements qui vont nous monter plus loin. Vous comprenez? Mais on va avoir ce cadre pour les questions doctrinales. Voilà, sur les noms, les faux noms attribués. On va parler de tout. Et donne des exemples dans la Bible. D'accord. Voilà. Donc la gloire soit rendue à Jésus. Donc, acclamons Jésus. Dans les trois colonnes dans le ministère de la parole. J'espère que vous avez tous compris. Que la gloire soit rendue à Jésus. Ah, on a prévu prier aujourd'hui. Et on est entré dans la parole. Hey. Donc, gloire à Jésus. Donc levons-nous. Ce qu'on va faire, on va continuer les enseignements et mettre la prière sur nos jours, c'est mieux. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Parce qu'il est actuellement 19h. Donc on ne peut plus aujourd'hui entrer. Mais nous aurons le temps. Ne vous inquiétez pas, on a le temps, on va prier. On va beaucoup prier. Si possible, même si on peut rêver une soirée ou bien une matinée pour la prière, on va le faire. Gloire à Jésus. Donc nous allons bénir d'abord le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Merci Seigneur pour ce merveilleux enseignement sur les trois colonnes dans le ministère de la parole. Tu nous as permis de comprendre, Seigneur, beaucoup de réalités que nous ne comprenions pas auparavant. Seigneur, tu nous as enseigné sur la prédication, l'exhortation, l'enseignement. Tu nous as enseigné sur beaucoup d'éléments. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, nous voulons être remplis, Seigneur, de la connaissance. Tu nous dis que tu veux nous, moins pour exercer le ministère de la parole, pour être capable de prêcher ta parole, pour que les âmes soient sauvées, pour que les âmes soient libérées du péché. Seigneur, remplis-nous. Que ta flamme, que ton onction nous remplisse, afin que nous soyons capables d'être utilisés pour, Seigneur, pour libérer les âmes, pour détruire, pour juger la chair, pour détruire le péché de la chair, et pour sauver l'esprit. Seigneur, que ton nom soit glorifié, magnifié. Seigneur, bénis tous les participants de ce séminaire. Bénis-les, remplis-les de ton onction, de ta connaissance, de ton feu, afin que ton nom soit élevé, glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Yes, yes.